Ça tue ça, ça met ça. Et normalement, non seulement ils entendent tout, mais ils devraient même avoir la Ok. musique de Solasta. Non, Super. ils l'ont qu'à moitié. Ok, très bien, c'est pas grave. Lancer un squat stream, on sait même pas si c'est utile. Voilà. En plus, sur mon live, tu ne le verras sans doute pas, mais j'ai un truc qui s'appelle Intro Fighters, où en fait ce sont D'accord. les gens dans ton chat qui écrivent, qui font apparaître sur l'écran une émoticône, qui se bat avec les autres émoticônes, en fait. Ah ouais, j'avais vu des petits mini-jeux comme ça, j'en avais aussi un. Tu pouvais avoir différentes variantes avec différents types de personnages, même des trucs avec des Pokémon et tout ça, où en fait ils pouvaient se friter et tout. C'était très bien pour passer le temps, comme ça, tu vois, les C'est gens ça. s'occupent. C'est ce que je fais moi durant mes lives écriture. Je leur laisse ça pendant toute la soirée et ils se battent jusqu'au 100. Comment vas-tu toi du coup? Toi, ça va. Qu'est-ce Fatigue que habituelle tu liée à peux publiquement dire? Je bosse beaucoup, je gagne pas grand-chose. Ma fille va bien, donc tu vois, ça pour moi, c'est mon life goal Ouais, principal. bien Hein. sûr, évidemment, Et évidemment, c'est félicitations. j'ai passé du temps avec elle. Je t'assure, c'est trop cool de voir en fait ton enfant évoluer. Et vous êtes trop choubi, incroyable. On dirait un petit clone. C'est vraiment Ah fantastique, non, hein. Je... elle est beaucoup plus belle, je suis pas Non, non, mais non, mais d'accord. tout va bien. C'est juste que voilà, t'es là. Tu sais, t'es inquiet parce que je sais pas s'il y a de la génétique du daron, mais tu ne la vois pas. Et tu te dis, fuck, c'est vraiment un clone. Genre, c'est Boba Fett, Jango Fett, en fait. C'est pour ça. Mais Non, bon. ça va, je te dis, c'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein. Je Bah pense évidemment, qu'on en est un petit évidemment. peu tous là, C'est à une essayer de faire question de temps, c'est plein de une question de trucs. temps. Et encore, techniquement, elle t'obéit plus que ton chat, si tu veux, donc. Ah non, pour ma fille, ça va. En fait, en vrai, c'est en train de devenir une vraie petite gameuse, tu vois. Elle geek bien. Parfait. On a fait plein de petites activités, tu vois, mais Parfait. je vois qu'elle se dirige vers tout ce qui est Profites-en. artistique et créatif. Profites-en jusqu'au moment où la Ouais. puberté va la frapper en plein face et toute sa personnalité va se dissoudre. Ses Oula. précédents passe-temps vont disparaître. Petit à petit, elle lâchera les manettes. Elle se souviendra de qui est Megaman, mais plus de qui est son ennemi ou de ce qu'elle fait. Petit à petit, ses passions vont s'effacer au profit des réseaux sociaux, des garçons, des relations et des études qui ne mèneront absolument à rien. Petit à petit, tu vas la voir se dissoudre. Tout ce que tu auras construit se perdre dans un océan médiatique absolument infini qui lui retournera le cerveau et la poussera à commettre de terribles erreurs. Bref, avoir une fille, en somme. Ouais, écoute, c'est plus la partie garçon qui m'inquiétera pour le reste. En vrai, non, je pense qu'elle va gérer, tu vois. Ça va bien se Elle est passer. intelligente, voilà. Non, mais je vois pas mal, tu vois, on est toujours en train de se dire, ouais, la puberté, ça va être genre ultra dur, mais en fait, tu vois, aujourd'hui, les gamins, ils commencent déjà à être dans une espèce de prépuberté vers l'âge de 10 ans, et je déconne pas du tout. Et c'est son cas à elle, en fait, où tu vois que bah, elle est plus émotive, tu vois, elle a comment elle a plus de mal en fait à gérer, tu vois, un petit peu ses frustrations, ses émotions, et elle est déjà un petit peu, tu vois, dans le truc geekage slash flemme slash, tu vois, rely, quand Absolument. tu lui demandes un truc et tu te dis ok, Non mais ça y est, évidemment. ça commence. Évidemment. Mais souviens-toi, voilà, souviens-toi de cette scène dans Dingo et Max où t'as Ouais. Dingo qui regarde Pat et qui fait, mais Pat, tu sais au moins, Max, mon fils, il m'aime. Mon fils me respecte, moi. Vois ce que ça t'a apporté. Le boomer talk sans pitié. Non mais là, je rigole. Et c'est une très bonne chose et je salue, la chance que tu as de pouvoir vivre toutes ces souffrances, parce qu'il faut le dire. Non. Tu sais, quand je discute en fait avec d'autres personnes, parents ou non-parents, je leur dis qu'avoir un enfant, en fait, c'est merveilleusement difficile. Ça t'apporte énormément de choses. Mais t'en chies quand même un max, même déjà avec un. Oui, Alors, respect si vous en avez plusieurs. Vraiment, je sais pas comment vous faites. Voilà, mais c'est incroyable. c'est comme les joies, les pertes et tout le reste, si tu veux, Ouais, hein. Le bonheur, c'est quelque bien chose qui se sûr. construit, c'est pas un état d'esprit, c'est quelque chose que tu peux avoir de manière. Le bonheur, c'est comme la douleur, dans le sens où les gens ils sont là, oh lol, c'est masochiste que tu dis. Non, pas du tout. Juste que dans le sens, ça viendra. Il y a des matins, tu vas te réveiller, tu seras de bonne humeur, des matins, tu vas te réveiller, tu vas te sentir comme une merde. C'est tout. La seule chose que tu puisses faire pour chasser le bonheur, c'est de te créer un environnement dans lequel il a plus de chances de popper. Mais sinon, c'est comme la chasse au shiny, si C'est tu veux. ça. C'est
c'est pour ça. Donc tant que tu travailles dur pour des éléments qui t'apportent de temps en temps plus de petites perles de bonheur qu'elles ne t'apportent de perles de malheur, dans ce cas-là, quelle que soit la difficulté réelle de la souffrance ou du travail que ça implique, ça en vaut la peine. Ce qui est le même principe finalement d'un enfant, parce que beaucoup de gens sont là, mes enfants c'est mon bonheur, mais putain j'ai pas une seconde de libre. Oui, parce que tu travailles continuellement à vivre ce bonheur avec tes enfants en fait, et avoir de temps en temps des petites étincelles qui te disent putain c'est mon gosse, je suis fier de moi, je l'aime, et ou inversement tu vois, ou des choses comme ça, donc c'est comme tout le reste de la vie si tu veux. Mmh. Alors, ah oui, non, mais c'est dans le chat, il y a Sammy Menover qui est là. La philo, c'est pas bientôt fini, oui. Oh, j'ai dû réfléchir pendant plus de 5 minutes. J'ai 16 onglets de meufs sur réfléchir devant Twitch. C'est ça, j'ai 16 onglets de meufs sur Twitch qui sont dans leur bathtub là, qui sont dans leur streaming bathtub. S'il vous plaît, j'ai pas les capacités mentales pour imaginer ce que ça pourrait être le bonheur. Le bonheur, hein. Le bonheur, qu'est-ce donc. Le lavage de cerveau. Vous avez tout le stream pour nous pondre un truc un peu convenable. Voilà. Impeccable. Bonheur, c'est quoi pour vous? Du coup, Je t'ai envoyé ce qu'il faut, donc normalement tu devrais pouvoir te connecter. Ça. Oh oui, c'est tout. À nous. Impeccable. Voilà. Et choisir. Choose your fighter. Alors attends, multijoueur. Garde Archibald, toujours aussi élégant. Demi-pinte. Demi-pinte, c'est quand même le plus grand chat d'1m20 que j'ai jamais vu, quoi. Et pourtant, je m'inquiète. Parce que petit à petit, il est en train de partir en arrière sur les dommages, tu vois. Ouais, mais c'est temporaire, ça. C'est temporaire. Parce qu'en termes de power level, nous avons Crystal et Archibald qui se disputent la première place, à mon avis. Selon moi, c'est situationnel. Crystal en 1v1, première place invétérée. Le 1v1, les dégâts que le paladin met, enfin, Jesus Christ, les gifles. Voilà, c'est pour ça. Par contre, Archibald en 1v10... lui met 1000-0. Voilà, des boules de feu, du zone, de l'utilitaire, enfin, tout ça. Pour ça, moi, je les mets tous les deux sur le podium, j'ai pas honte, si tu veux. Derrière, je pense qu'on a John. Voilà. John qui est capable de bien burster, et Elvira qui supplante. En fait, Elvira, c'est vraiment le... Tu vois, c'est... Elvira, tu la mets au contact. Tu vois, c'est comme un espèce de très mauvais kiné, tu vois. Non, mais... Je veux dire, pour moi, c'est pas attendez, je vais vous redresser, et puis là, pac, tu vois, d'un coup, t'entends un gros craquement. Voilà, pour moi, c'est pas un kiné, c'est un add-on. C'est un asset, c'est un DLC. C'est le truc que tu rajoutes, tu sais, quand dans les vieux jeux de tir en scroller, Gladius, les trucs comme ça, où t'as un petit vaisseau, tu prends un power-up, et là, t'as un petit vaisseau qui apparaît en dessous de toi et qui mite ce que tu fais, en fait. Qui tire les petits lasers, qui aide un peu au DPS, enfin, tu sais, t'es content de l'avoir. Surtout qu'en plus elle a 2-3 trucs utilitaires qui valent la peine. Mais tu te demandes quand est-ce qu'on arrivera à la faire briller et à lui faire mettre des sacrés gifles, parce qu'en tant que clair, c'est quand même possible. C'est quand même possible, faut pas déconner. C'est complètement vrai. Après j'ai envie de dire que Archibald, il est un petit peu fourbe, parce que quand même, on est d'accord qu'il gratte quand même aussi pas mal de dégâts sur les dégâts alliés. Oui, non, bien sûr, évidemment, absolument, voilà, sa zone. Tu sais, la petite boule de feu qui rip un petit peu. Ouais, mais tous ces collatérales sont diminués et contrebalancés par l'aspect utilitaire. Ça, tu peux pas le nier. Tu peux pas nier l'aspect utilitaire d'avoir un magicien. Qui connaît les sorts de vol, les sorts d'invisibilité, les sorts de tout ce que tu veux. Malheureusement, t'es obligé. Je suis désolé, c'est comme un expert à l'entreprise, tu vois. Le mec est un connard, mais personne ne peut le licencier parce que c'est le seul qui connaît la programmation de ce qu'il se fait. Parce que c'est le seul qui connaît les procédures du truc, tu sais. C'est le seul qui sait encore comment l'IA marche. Voilà, c'est ça, donc... Ah mais attendez, les mecs, moi j'étais là il y a 20 ans. Tu ne peux pas le suicider, voilà, c'est ça. Ok, alors, moi je suis en jeu, je ne sais pas si tu... Je vois tout. Rappelons les statistiques parce que ça fait quand même un bon petit bout de temps que nous n'avons pas joué. C'est vrai. Nous allons découvrir donc la suite. Donc nous avons, à moins que tu souhaites faire les présentations, je t'en prie. Non, je t'en prie, vas-y. Crystal Ombre Lune, une humaine paladine, serment du jugement, donc serment de la gifle, une hache à deux mains, une belle hache naine, bien avancée, plus 2 je crois. Non, hache à deux mains lacérante, plus 1. Ah, c'est une hache plus 1, mais une hache plus 1 de foudre, donc ça déconne 0. Elle porte une belle armure naine, 20 en force, 19 en constitution. En termes de donjons et dragons, c'est des belles stats, c'est pas dégueulasse. 10 en dextérité, 11 intelligent, 11 sagesse, 12 charisme. Ah oui, c'est... Ah oui, j'avais pas réalisé à quel point... Ah ouais, la meuf, c'est un bras, en fait. C'est un bras. Voyons ça voir. Ça fonctionne ou pas? Ouais, ça fonctionne. Les gifles sont présentes.
Les gifles sont présents, c'est pour ça. C'est ça. Elvira Poutrel, demi-elfe prétentieuse, Claire de la vie, donc soigneuse. Elle a 21 de force. Comment on a réussi à lui mettre 21 de force? Elle a pas une ceinture du géant? Si elle a la ceinture du géant du Colin, c'est ça. Tu l'as boosté. C'est ça, de manière à ce qu'il puisse lui mettre des vrais gifles avec sa masse, parce qu'elle était en DPS, on était en tristesse DPS. 18 de constitution, c'est très très bien. Non mais c'est le bras gauche. 21 de sagesse, c'est très honorable. 16 de charisme, ça le fait. On est très heureux. Archibald, bien évidemment, le magicien arcaniste de choc dans sa super tenue Gucci. J'avoue, je me rappelais plus. Chemise de maille de l'impératrice. Et c'est un vêtement, dans le sens où il le porte et ça ne compte pas comme une armure en tant que sorcier. Donc il peut la porter à la place de ses robes de sorcellerie. Il a les bracelets de laser, les bottes, les anneaux. Anneau des porteurs du lumière. Tain, je le porte, mais il ne sert à rien d'ailleurs. Lancer brillant sa volonté. Il faudrait que je le fusionne pour que ce soit utile, mais bon, c'est pas très grave. J'ai deux bâtons magiques. J'avais complètement oublié ces capacités-là. Bâton plus 2, d'accord. Et ce bâton magique, qu'est-ce qu'il fait? Octroie plus 2 d'intelligence. Ouais, d'accord, ok, plus 2 d'intelligence. On a 20 d'intelligence, 16 de carré, 16 de con, 17 de dextre. Ça va. On est plutôt honorable. L'homme est intelligent. Il sert aussi de mule, puisque je crois que c'est lui qui transporte la plupart des composants et du merdier. Et enfin, le grand, le seul, le sublime, John Demi-Pinte, l'espion, ouais. Le tisserand du crépuscule, le roublard, l'homme qui marchait sur les murs et qui faisait grimper les femmes au rideau. Cet homme... Ou plutôt ce semi-homme, un enfant à vos yeux, un alphelin démarré, 10 de force, Jesus Christ, il est faible. 20 de dextérité, 16 de cons, 15 intel et 15 charisme. Et surtout, pragmatique, cynique, désinvolte et prudent. On a vraiment le bon vieux espion. Et il a toujours, à mon humble avis, les meilleures répliques ou les répliques les plus insolentes. Voilà. C'est vrai. C'est le roi de l'insolence. Il est vraiment... Les dialogues sont vraiment extrêmement... Il est toujours insolent ou risqué. Enfin, ça dit prudent, mais c'est toujours lui qui propose les pires insultes ou les pires dingueries, je trouve. Ouais, il a toujours, tu vois, ce petit côté un petit peu narquois, de venir, tu sais, un petit peu rajouter un petit truc un peu piquant, comme ça, dans la conversation, à base de... Ah bah ouais, tu vois, genre, tu sais, la petite pique, comme ça, tu vois, bien sentie, ouais. Qui est envoyée juste au bon moment. Donc... Une belle équipe de droite, puisque soit ils sont cyniques, ouais. Pragmatiques ou autoritaires. Voilà, c'est... Voir les deux. Ils aiment le loot. Parce que, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, regarde, on a les sacs qui sont pleins de trucs, là. Ça veut dire qu'il faut vendre, non? On a plein de merdier, là, non? On s'était arrêté là, la dernière fois, je crois. Je sais plus, hein. Je pense qu'on revenait, tu sais, ivre-mort d'une quête à 4h du matin, et on s'est dit, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Attends. On va pas vider les sacs. Examinons juste quelque chose. Nous sommes donc à la recherche des cailloux de la couronne du magistère dans le but d'empêcher l'arrivée d'hommes lézards sur la planète par un espèce de grand portail qu'autrefois, des dizaines de gens ont dû sacrifier ultra-magiciens pour l'empêcher. Oui. Nous avons 4 gemmes à cette couronne, de ce que je me souviens. Nous avons l'évocation, oui. Qui est la capacité à faire des Hadoken. L'invocation, qui est la capacité à invoquer des trucs capables de faire des Hadoken. L'abjuration, qui est la capacité à renvoyer ces trucs qui faisaient des Hadoken. Et la nécromancie, si je me chie pas dessus. Et qui est en réalité utile parce qu'elle permet littéralement de ressusciter les morts, mais pas de manière nulle, tu vois. De manière bien. De manière bien. Donc on va pas... Un petit rappel à la vie, c'est ça. Rappel à la vie et réanimation, ok. C'est ça. Donc, somme toute, c'est plutôt pas mal. La question, c'est, il nous manque... Je ne sais pas combien il y avait de Chaos Emerald de possible sur cette couronne. Je crois que c'est 9 ou 7. Il me semble que c'est 7. Il faudrait regarder... Il me semble qu'on était plus de la moitié. Plus de la moitié, donc... On est à la moitié, hein, je pense. Donc, c'est 7. J'arrive pas à zoomer, en fait, sur le personnage. Ouais, mais en plus... Je ne vois pas combien de chasse vide reste. Et en plus, il a sa magnifique mèche. Sa mèche de Tchad qui lui tombe à moitié sur l'œil, tu vois, en mode BG. Sa mèche le cache, exactement. Donc, malheureusement, voilà. Alors, je souhaite demander une dernière chose à mon chat. Je t'en prie, Crystal, parle, raconte-nous tout. Fais-nous profiter de ta délicieuse 12 fois suave. Et. Mais qu'est-ce que ça bip? Ça bip, excusez-moi. On m'agresse avec de l'affection. Voilà, très bien. Excellent. Voilà, les petits mots. Excellent. Donc, à peu près, les sons devraient être corrects. Allons-y. Donc, grande question. Journal de quête. Je crois qu'on avait tout fait. On avait tout fait. La pièce manquante, faire un rapport au conseil. Oui, c'était ça en fait. On revenait de notre dernière expédition et il fallait qu'on aille les voir en fait. C'est ça, et c'était la dernière quête qu'on pouvait faire. C'était la fin des quêtes optionnelles après ça. Donc il fallait qu'on le fasse. Tout s'explique. Donc de fait, notre enquête
a atteint le point mort, nous sommes encalminés dans un océan de non-indices, et nous devons absolument retourner auprès du conseil afin de savoir quelle est la suite de la course des actions. Conseil qui est principalement peuplé d'hommes lézards, hein, je pense. Hein. Ouais, il y en a au moins un, ça on en est sûr. Non mais, bah, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment le sketch des inconnus, hein. C'est bien sûr Abdallah de Bourgogne. Il y a un traître lézard parmi nous, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un traître lézard parmi nous, si tu vois ce que je veux dire. Sire, je pense qu'un lézard se cache parmi nous et serpente. Il conspire, sire. C'est tellement ça. Alors, attends. Je vous recommanderai de licencier tout le monde et d'augmenter la chaleur de la salle de 5 degrés. Mais non, mais ça, c'est un dead giveaway, là, ce que t'as... Non, mais voilà. Mais j'ai envie de dire, voilà. Et à mon humble avis, le twist, c'est qu'ils le sont tous, hein. Mais qu'ils ne savent pas qu'ils le sont, respectivement. Alors, attends, je suis en train de regarder. Ouais, ok, on monte vers le conseil des legs. Ah oui, accessoirement, on a notre loge, maintenant. C'est vrai. On a notre loggia. Je crois que c'est la princesse qui nous a filé notre piole. C'est ça. On s'était mis bien. Ah. Three gems missing? Perhaps they've been destroyed. We tested the first one. It can't be done. They must be magically concealed. So the crown must remain incomplete? Maybe the Sorax have the missing gems. After all, they attacked you more than once. They're clearly still after the crown. If you can't find the gems, why keep the crown out there? It'll just keep attracting the Sorax. The attunement, remember? I'm sorry, senior deputies, but despite the attunement, I believe the crown should be secured. And secured by more than 4 adventurers who spend their nights camped in the Badlands. We can't do that to them. They have served the council faithfully. Well, now, budge. Don't be naive. We are facing a major threat. You understand the meaning of sacrifice, and so should they. We've searched the Badlands for these gems at our own risk. We trusted you to keep your word and leave us the crown. If I may, I think we need more time to consider the situation. More time? How much time? Maybe just give it a night. I could use the day to consult with my people. So could I. Fine, then. Anyone against? Thank you, Lord Danantar. The Legacy Council is now adjourned. Hey, B. I have a bad feeling about this. I knew it. They'll take the crown, and never mind what that does to me. This is wrong. We could run. What's the point? We know what's at stake. They're right about one thing. The Sorax will keep coming after us. After the crown. We could retrace our steps. Go back to where we found the gems. Perhaps there's a trail we overlooked. There's nothing anymore. I can't feel another gem anywhere. Excuse me, senior deputies. Master Shorspell. I would advise you to avoid the palace residence tonight. What? Why? I'm not at liberty to say. Just trust me. You have your lodgings at the Gravekeep's Cask. You should spend the night there. Well, what kind of advice is that? Are you really working for the Arcaneum? Why else would I be here? This elf is... What do you think? It sounds like a warning. Or a threat. Can we trust him? Trust the new Empire? I have no idea what to do. But I'd like to sleep in a bed tonight. I miss Carol's beer. And Merton's sweet talk. I'd prefer the residence. I like Captain Ironshell kissing me goodnight. Maybe in your dreams. Ils ont oublié l'option où c'est peut-être un trap, tu vois, genre, oui. N'allez pas là où c'est gardé par les gardes, allez vous voterez dans une bonne vieille auberge sans aucune sécurité autour ouais, de vous. Ouais, 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 tout à fait. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'elfe qui vient vers vous comme un school shooter, en fait. Qui dit, et au fait, je vous aime bien,
Venez pas à l'école demain. Et puis tu sais, il part et mystérieusement. Il se met droit dans les yeux, tu vois. Ouais, c'est ça. Venez pas à l'école demain, je vous aime bien. Vous savez que vous êtes mes amis. Alors, attends, je regarde un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a encore plein de trucs sur nous, il faudrait peut-être qu'on aille... Mais attends, vérifions de ce qu'on a sur nous, parce qu'on a des choses sur nous, mais est-ce que ce sont des choses qui n'ont réellement pas de valeur ? Alors moi, je vois qu'on a quelques armes, des cimetières d'acuité plus 1 qu'on a fait à l'infini parce qu'on les avait craftés pour les revendre, des parchemins, quelques objets de craft, des anneaux magiques, résistance à la nécrose, et résistance au poison, mais useless... ouais, je regarde les autres persos aussi. Elvira, elle a rien, elle a poil. Ouais. Et t'as quelques armures à vendre, c'est sûr. Code de maille. Oui, t'as j'ai deux, trois trucs, quoi, juste histoire de... Ah oui, elle est très, elle est belle, très belle. Elle c'est dommage qu'on voit de... On puisse pas utiliser les skins, tu vois. Ouais, essaie de la mettre pour voir. Ah non, j'ai rien dit. Ah ouais, j'ai rien dit, c'est de la merde. Ok, bon, bah tant pis. Non, c'est bon, elle est moche, tu peux la voir. C'est ça, elle te fait un gros cul, vire ça. Non, mais dégage. On n'y est pas. Voilà. C'est pas la bonne coupe. Ça marche pas, c'est ça. Les gars dans les Jack and Jones, vous avez un pantalon qui est taillé différemment ? Même taille, hein. Même taille de cuisse, juste pas pareil. Ok, très c'est bien. C'est ça. Écoute, allons vendre au centre-ville, de fait. On va retourner au truc des marchands. Tu n'as plus d'objets à rendre à aucun des cercles. Hein. Je pense pas qu'il nous reste encore des trucs pour les... J'en ai pas le souvenir. Je pense qu'on avait tout rendu. Ouais, je pense qu'on avait rendu ça. Ouais. On n'aurait pas raté l'occasion, en tout cas. Oui, parce que la dernière... Avant ça, on avait eu la conversation enregistrée, se rendre au cercle d'Anantar. Du coup, probablement qu'on a dû rendre aussi, par la même occasion, bien tout ce qu'il y avait là. Ce qui était utile, ouais. Ah. Welcome to Gorim's Emporium. Puf, très bien. Vas-y. Attends, vous avez fait des cimetières d'acuité ? Tu sais combien ça coûte une fiole d'acuité ? C'est de la merde, on en a trouvé plein, on les a vendus. 316 balles pièce. C'est de la merde. Non mais on se souvient qu'on l'a fait uniquement avec ceux que justement on pouvait. On garde les armes qui sont reforgeables. Pas déconner. Je regarde dans les cailloux, on garde tous les ingrédients, les pelles, brosse en argent. Ça sert à rien. Un objet précieux que vous pouvez vendre dans une boutique. Bracelet certitude joyaux. J'ai toujours du mal un peu à vendre des objets magiques, tu vois. Je me dis, je préférerais limite aller les mettre, tu vois, dans le coffre qu'on a de côté, quitte à. Tu vas faire le tri un peu plus tard, quoi. Ouais, moi je regarde les anneaux de résistance à la nécrose. Ouais. Osef. Ah, la nécrose, qu'une bonne nécrose, hein, après tout. Après c'est vrai qu'ils valent 2000 balles pièce, donc on pourrait les mettre, on pourrait les planquer dans le coffre, si ça te rassure. Je suis en train de me demander. Moi, j'ai des trucs de résistance au poison. Et si tu changes de personnage, 100 balles, quoi, quand même. Si tu changes de personnage, ça annule les ventes que tu veux faire, donc. Oui, tu dois d'abord tout faire avec un perso, ensuite finaliser et ensuite passer sur l'autre personnage pour éviter que ça reset. C'est toujours aussi mal foutu. Là, ça. Hop, on a reçu 1200 balles, enfin 1500 balles, ça nous a fait du bien. Je pense que je peux vendre les anneaux de résiste poison, qu'est-ce que t'en dis ? Je sais pas forcément, j'en ai deux, je sais pas si c'est intéressant vraiment de s'encombrer avec parce qu'on est obligé de les utiliser via lien. Moi je suis max out sur les deux personnages au niveau des liens magiques, quoi. J'ai déjà trois objets, je pense qu'ils sont liés. Moi aussi, c'est juste que. Poison, tu vois. Autant ouais, poison. Je sais. Poison, j'aime pas l'idée parce qu'en fait ça veut dire que stratégiquement on pourrait se faire baiser quand même. Donc je suis pas. Je vais les mettre au coffre. Ouais, on verra bien poison, ce qu'on en fait plus tard. J'irai coffre pour poison. Qu'est-ce qu'il y a ? Mur lumineux, très rare. Bah écoute, tout ce qui est magique, enchanté, je vais aller mettre ça dans le coffre tout simplement, comme ça. Ouais, je suis sûre qu'on retriera à un autre moment. Ah, okay, de toute façon, c'est pas comme si c'était perdu. Tout ce qu'on vend dans les... On me dit dans le chat, il vous arnaquait pas ce vendeur-là déjà ? mais non, sois pas comme ça, voyons. Si, on se fait toujours arnaquer, mais c'est les RPG, ça. Les mecs ont compris le... toujours arnaquer. Ah, et parce que j'ai ouvert le coffre, ça t'a fermé le coffre. C'est pas grave, non, t'inquiète pas. D'accord. Il écrit Mago du groupe, faites-vous plaisir. Ouf, faut pas me le dire deux fois ça. Hein. Alors attends. Je vais déposer tout ce qui est magique dedans pour l'instant. Et puis, on fera un tri à un autre moment parce que j'ai pas besoin d'avoir tous ces trucs là sur moi. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je pense que ça en compte plus qu'autre chose.
garder les composants pour faire des crafts. Je suis d'accord. Tu vois là quoi. Je vais garder les composantes, garder les flèches, les torches, parce que c'est toujours bien d'en avoir quelques-unes, les fioles. Et pour le reste, au niveau des armes et des armures, par contre, je vais dégager tout ça, quoi. Ah oui, on me demande si j'ai pas de la résistance feu. Pour éviter les tiraliers malencontreux, tu sais, le petit dérapage d'Archibald à base de... Alors écoute, la glissade. Je peux tous les toucher, mais... Mettez au corps à corps. Ça va prendre des dégâts. Mettez au corps à corps. En vrai, c'est vrai que une ceinture de résistance au feu ou une saloperie du genre ou un truc comme ça, ce serait incroyable. Parce qu'à partir du moment où on sait que t'es immunisé ou que tu prends que la moitié des dégâts... Oh là là, le mec, il va faire des dingueries comme ça. Non mais c'est la guerre civile, hein. Des nucléaires qui vont partir. C'est ça. Serre les fesses. C'est ça. Crystal, ferme le frigo. L'onde de choc arrive, ferme le frigo. Oh mon dieu. Putain, ferme la porte du frigo. Flèche caresse de ghoul, c'est très bien ça. Sinon, tu peux dump tout ce que t'as d'armes préparées ou d'objets qui ne servent à rien sur Archival. Ouais. Ah, j'ai tout mis dans le coffre, donc s'il y a encore des choses que tu veux. Mais ce n'est pas des trucs préparés, c'est déjà des trucs enchantés. Oui, donc bien sûr. Du coup, ça vaut la blinde dessous. J'avais pas de trucs préparés, j'avais que des trucs enchantés. Du coup, je les ai mis directement dedans pour ne pas les vendre. Et si jamais on a besoin de. Besoin un petit peu d'argent, bah on sait qu'on pourra les voir dans les trucs magiques. On peut taper dans la réserve, c'est exactement vrai. Si jamais il te faut, tu sais, des nouveaux plans ou des choses préparées qu'on prend chez le marchand, ben voilà, on peut toujours aller chercher ce qu'il faut là. Je vais garder les armes, comment ça s'appelle, les armes préparées sur nous. Après tout, on a un milliard de places. Et comme ça, ça nous permettra de forger des choses en temps réel si jamais on a les matériaux. Et tu sais bien que les armes magiques, ça peut toujours être des trucs sympathiques. Tout à fait. Et puis au pire, on les vend. C'est du pognon. Exactement. Parfait. Donc, on me demande dans le chat où est-ce qu'on en était. On a fait quelques petites quêtes secondaires et tout la dernière fois. Et au niveau vraiment de l'histoire, donc là, on vient de voir qu'il nous manque 3 gemmes. On est arrivé en fait à un moment donné où il faut les 7 gemmes en fait. Il manque 3 Dragon Ball et le détecteur de Bulma ne détecte rien du tout. Donc on est paniqué, on est tous en train de se dire merde, ils se sont fait avaler par un animal ou ils sont dans une dimension parallèle où il y a une phase. Du coup, on est en train de regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Du coup, je te suis. J'imagine qu'il faut parler. Je ne savais pas qu'on avait parlé avec Arwin. Je me souviens qu'on avait trouvé lui là le. Vas-y. Attends, interagissez avec ce personnage. Ah non, on peut rien faire avec lui du coup. Donc on doit demander à mon avis une nuit à l'auberge. Vas-y. Tout à fait. Hello adventurers, what can I offer you? J'ai augmenté le son du jeu, brave Jean. Oui, avec ses bières dégueulasses, ouais. Une piole. We'd like to stay for the night. Orgie prévue avec demi-pinte. Alors, normalement, on est au max. Pas besoin de lit. Je prépare mes sorts, je vérifie quand même. Vas-y, regarde un petit peu. Repli expéditif. Permet de courir plus vite, mais c'est pour soi. Donc ça pourrait être utile. Projectile magique, graisse. Rayon ardent, pipiou. Vol, éclair, contre-sort, boule de feu. Bannir à visibilité supérieure, mur de feu, tentacule noir, porte magique, nuée toxique, entorse mentale. Ah oui, ça c'est fort ça. Cône de froid, invocation d'élémentaire, on se souvient que c'était hostile. Rayon de soleil ou chaîne d'éclair, cercle de mort et sphère glaciale. Je pense que repli expéditif peut être abandonné et remplacé avantageusement par un sortilège. Pas brumeux, lévitation, invisibilité. Ah oui, mais ça, c'est de l'invisibilité partielle. C'est pas l'invisibilité supérieure qui te permet de comment ça s'appelle j'aurais ça. Sphère de feu, non. Réaffaiblissant, immobiliser personne, pas brumeux. Pas brumeux, c'est pour se téléporter soi-même. Ouais. Arme magique. Ah oui, j'étais en train de regarder aussi les sorts que j'ai de mon côté. Donc, j'ai du dégât de l'assist. Quelques petits trucs différents. 17 sorts quand même sur Elvira. Pas trop mal ça. Tempête de contamination. Ah oui, c'est vrai, dégâts nécrotiques. Il y a le sortilège de hâte, mais le sortilège de hâte, je rappelle, je préfère, c'est mieux de l'avoir en potion parce qu'au moins il peut pas être décast
Et, c'est ça. Et tu peux pas juste être abruti à cause de ça. Je me dis, sortilège de téléportation peut-être, pas brumeux. Ouais, ça peut être intéressant. Porte magique, transfère le lanceur à une créature amicale vers une destination spécifique. Ah, ça peut être pas mal ça, tu sais, pour un bug. Une créature qui s'enfuit ou qui est hors de portée, tu vois, et genre on a plus trop de... qui est mal positionné éventuellement, pourquoi you pas. You know what, je la prends, on verra bien. C'est comme les vêtements à la fin de l'année, tu sais, tu retournes tes cintres. Voilà, tu retournes tes cintres, à chaque fois que tu mets un vêtement et que tu l'as remis dans ton placard, tu retournes le cintre, et à la fin de l'année, les vêtements que tu n'as pas à retourner de ton cintre, et ben tu t'en débarrasses parce que tu t'en es pas servi pendant genre un an. Et si tu portes pas des vêtements pendant genre un an, c'est que, à part que ce soit des bottes de pêche ou des robes de mariage, ça servira pas. Non mais c'est cohérent, c'est cohérent. Ah mais je connaissais pas, c'est bien la technique du cintre, il faudrait que j'applique ça. Ouais, il faudrait que j'applique ça en mettant mes vêtements sur des cintres déjà pour commencer. Si tu... Eh ben figure-toi que je viens d'aller m'acheter la blinde de cintre parce que je commençais à en avoir marre. Mais ça fait des années, tu vois, des années que je plie le linge, pas que le mien, tu vois, du coup, le linge voilà, de famille. Et je commençais à en avoir ras-le-bol et je me suis dit, vas-y, ça suffit, tu vas aller t'acheter 40 cintres, tu vas tout foutre dessus, tu vas tout foutre dans une armoire. Et tu repasses les trucs dont tu as besoin au fur et à mesure parce que à un moment donné, tu vois, l'esclavagisme à la maison, de tous les trucs qu'il faut que tu fasses, voilà, ça suffit. Hein. Fair enough. Donc je préfère faire comme ça. Fair enough. Le Lennon est déjà bien assez cintré qu'on me dit, oh, ça va, foutez-moi la paix. Laissez-moi dans mon autisme, impeccable. J'ai quitté le repos, moi je suis bon. Ok, pour moi c'est bon. Impeccable. Bon, nous avons pris 10 balles dans une nuit. Ouais. Allez voir le conseil pour prendre leur décision. Voilà, c'est ça. Il a fallu qu'on passe une nuit. Oui. Ah, par contre, du coup, on a passé une nuit à l'auberge. On aurait peut-être dû passer une nuit. Quand même, tu penses au niveau du truc. Ah, ça aurait pas déclenché des choses. On se fait attaquer. Ah, je sais pas. Je sais pas. Le panneau de quête secondaire, il brille. On peut s'arrêter vite fait. Oui, vas-y, agresse-le. Ah. Senior deputies, Captain, what's the news? You didn't hear. Your quarters at the residence were ransacked. What? When? During the night. It's lucky you weren't there. We could have handled a burglar or two. They were more than simple burglars to infiltrate the palace undetected. Ah putain, on a raté un combat contre des ninjas! I can't say for sure, but some are saying they saw a path. We were supposed to be safe there, remember? I'm well aware. We have put further magical security measures in place. Thank you for keeping us informed, Captain. You are most welcome. Good day to you, senior deputies. It appears Headlon Surespell was right. He knew. But how? He's a spy, or something similar. He looks normal to me. That's what spies do. We must decide on our next move. Back to the council, I suppose, and see what they decided. Or, we could pay Surespell a visit. Ouais. Ils ont les yeux qui pétillent d'émerveillement chez moi. Je suis en train de regarder, il y a des petites, comme des petites lueurs et tout dans les yeux qui clignotaient, c'est marrant. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va insulter le conseil ou est-ce qu'on va voir Monsieur Finn Sorcier qui est même placé dans la... Ah bah je vois que t'es déjà parti donc... Je veux lui tirer les vers du nez. En fait moi je suis déjà vexé d'avoir raté un combat contre des sorts à 4 gratuits, tu vois. Bon alors mais Crystal, mais t'es pas obligé de marcher sur les murs. Oh, ah oui c'est la vrai. La flemme quoi. C'est vrai. Ah la flemme, j'ai juste... Crystal qui abandonne son humanité. Ah, here you are. Do you find our visit surprising, Master Surespell? No, not at all. Since you followed my advice... How do you know that? You're here, alive, and unwounded. I heard there was some disturbance at the residence. Is that so? But clearly you're here for business, not small talk. Mais connard, t'as pas répondu à rien du tout! Clear skies, adventurers. Mais non, pas clair, c'est... Mais! Le mec, il te dit oui, je vous ai empêché de souffrir. Je vous ai permis d'échapper à une embuscade. Ça devrait être une information suffisante pour vous. Est-ce que je peux vous vendre quelque chose? Mais mec, mais non, c'est pas suffisant pour nous. Parle,
parle ou on t'attache les couilles à une batterie de voiture. Bon. Exactement. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Retournons voir le conseil du coup. Ah, j'ai presque envie de te demander. Du coup, j'ai vu ça, mais j'ai presque envie de te demander si on peut pas relancer la sauvegarde. Aller dormir au palais, faire l'erreur. Je sais pas honnêtement si ça changerait quelque chose. Je suis sûr que si. Et puis, Flynn Sorcier en plus nous dit absolument rien de valeur. Moi je suis déçu. Oui, mais on sait au moins que. Tu vois, il était au courant. Ah bah, y'a rien. Ah, il était au courant puisqu'il nous a prévenu quoi qu'il advienne. Mmh. Y'a rien. Mais comment était-il au courant? Mais c'est justement, ça. C'est ce qu'on a demandé, mais il nous a rien dit, l'enculé. Oui, je savais que vous alliez vous faire attaquer pendant la nuit. Ah, quelqu'un d'accord, me dit... mais comment vous aviez? Si tu veux, je peux te dire ce qui se passe si tu fais l'erreur. Oui, dans ce cas-là, ça m'intéresse, vas-y. Dis, parce que j'espère que si jamais il y a un combat contre des Sorakards pour s'échauffer, c'est très bien, tu vois. C'est l'occasion idéale de leur chauffer les dents. Par contre, je me suis rendu compte qu'il est 3h18 du matin, hein, in-game. Ouais, genre, en fait, on n'a pas dormi, quoi. On a dormi, ouais, c'est ça. Une demi-nuit pour demi-pas. C'est ça, on a dormi 2 heures. Wouh, power nap, hein. On est bien, hein. On est prêt à faire Reims-Paris. Reims-Paris-Paris-Marseille, la même nuit, hein. Honorable delegates, please be seated. The Legacy Council is now in session. Chancellor Gorm's daughter has the floor. Thank you, Protector. Honorable Council members, we at the Guild of Antiquarians have come to an agreement regarding the quest for the gems of the Crown of the Magister. We believe that the crown should be secured and therefore surrendered by its current owners in exchange for a generous payment raised by all parties in the Council. You can't. You will wait for your turn to speak, Senior Deputy. We searched the Badlands for these gems, and now you're just taking the crown away from us? Order! We are well aware of your reservations, and we understand them. Yet, from what I heard, all parties have agreed that you should comply, for the security of all. Security? You talk of security? What security? Just last night, Sorax attacked our quarters in the residence. What? Sorax? Here in Kyr Kiflin? In the palace. Order! Immediate action is needed. Well, find the damned Sorax then. Please, my lords. You! Where are your paladins? Where are your wizards and their divination spells? Stop it! None of this is helping. Lord Sunblaze, you're supposed to be neutral here. C'est la pire doubleuse. Introduce a formal request. Right. Apologies. You're right. Let's vote. Only senior members, please. Those for securing the crown, say aye. 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 Nay. Nay. Well, we have a majority. We'll help you with the attunement issue. Whoa, wait! Who's gonna take the crown? And where? Well, the most secure location would be... the Temple of Aena, of course. The Hearth. Of course! Right here in Kyr Kiflin! Neutral ground, of course. But still, the Principality of Masgarth is the center of Celesta. Do you have a better idea, Dean Fasek? We have secure locations, too. How many high-ranking paladins in your tower, Fasek? More than actual wizards in your school. Order! Remember the dignity of your positions, my lords. Senior deputies, if you please. The council has spoken. Bah, il a parlé rien du tout, là. Tout le monde est pas d'accord avec rien. Il a parlé rien du tout, connasse! C'est la pire... Putain, mais j'hallucine! C'est touche pas à mon poste, quoi. C'est la pire animatrice. Non, mais je reconnais, c'est un conseil d'entreprise, ça, tu vois. Chacun dit non, mais si le produit fonctionne pas, c'est parce que le marketing a pas fait son job, c'est parce que les sales, ils ont pas bien vendu. Je reconnais ça, tout le monde se jette la patate chaude. Et à la fin, t'as la secrétaire qui est là. Je vois que tout le monde est d'accord. Mais non, salope! Alors, vous êtes tous écharpés, je vois effectivement que nous sommes arrivés à un consensus, hein.
Ah, alors, donc, j'ai très envie de laisser John demi-pinte les insulter tous autant qu'ils sont. Ouais. Mais Elvira est la seule qui raconte quelque chose qui fasse du sens. C'est vrai. Moi aussi, j'ai envie de les insulter, mais bon. Ouais. Soyons pragmatiques. You keep bickering instead of looking for the traitor among you. This is a grave accusation, senior deputy. C'est elle. Thank you, honored delegates. The council is now in recess. Mm-hmm. How could they? It can't end like this. I can hear it. Calling. Elle l'a enlevé. Senior deputies, please, a word. Summer? What do you want? Your Chancellor led the charge against us in there. I'm truly sorry, but I have some information that might interest you. I doubt it. It's about the secret cult of Arivad. What? I admit, this is second-hand intelligence, but still... Speak up. One of my people saw a man with a tattoo. The letter A? Yes. He followed the man all day, and to a gathering that night. In a remote village to the south. What village? It's called Earcorn. Very small, but you'll find it easily on any local map. Thank you, Hellman. You're welcome. Someone must take care of these cultists. And the council, well, you know. Yes, we do. Oh, on a perdu la couronne, quoi. Quel enfer. Oh, mais quel horreur. C'est ça, excusez-vous. I'm so sorry. Why? You didn't betray us. I understand how they see things, but... Something's wrong with the council. The council's still young. Everyone is angling for influence. But squabbling academics are better than clashing armies. Only Ergatine supported us. I mean, beside you. Why would the new Empire be the only friend we have in there? Ergatine's a moderate, it's true. But the new Empire is subtle. Plans within plans. It's hard to say whether he was following orders or voting his conscience. I wouldn't read too much into his vote, at least for now. It didn't change anything, anyway. But what about you? How are you coping without the crown? Better than I expected. Same for me, actually. It almost feels like we still have the crown. Exactly. We lost its magical power, but the voice is still calling. Interesting. So the attunement is unaffected by physical separation. Keep the crown safe, Marshal, will you please? You have my word. Ah oui, donc d'accord, donc sa méthode chirurgicale pour te séparer d'un objet psychique qui se lie à toi par le destin, c'était juste de l'enlever en fait. C'est ça. Mais moi je pense qu'Archibald va avoir des espèces de rêves un peu bizarres à base de couronne. Je sais pas si on a envie d'en savoir trop, tu vois. Ce jeu est la pire publicité d'un conseil constitutionnel ou d'une forme de démocratie qu'on aurait pu espérer. Tout devrait être sous règne autocratique, despotique et tyrannique par un jugement éclairé. Voire fou. Je prendrais un jugement incestueux et à moitié fou, s'il est un peu éclairé. Donc. Qu'est-ce qu'il fait de là, Merton? Il est en bas des escaliers. Je vous jure. Je vous jure. Il y a quelque chose à nous dire, lui? Hey, you! Not drowning in your beer today, Arwen. No, wait. They took the crown from you? How do you know that? How? You really think I'm just a drunk? The whole principality knows you have that crown. I mean, had. Yeah, indeed. Something's not right. You think we need you to tell us? I mean something's up. Something big. What exactly? They're here. Who? The Sorax? Not them. They're pawns. You're drunk. What is wrong with you? Haven't you seen enough? Didn't you see what they can do to people? At first I thought you were just another bunch of brainless council lackeys. But you've seen their ways. In Cobran and plenty other places, I'm sure. The way they get into people's heads. I've watched the people of Caer Cifflin for 10 years. I've felt a change, slow
subtle. Until now, it's getting stronger, and I can't let them win. So what? You're ready to become a hero again? I can still fight. Are you offering to join us? You brought back my sword. That blade and I, we've slayed countless abominations down there in the Badlands. You helped me get closure for my lost child. You were at my side when we took down the Remoras. Yes, I'd like to join you. No. Fine. Un peu de chair à canon. Écoute, hein, au pire, il mourra. Fine. Come with us. Now you're talking. Attends, on est vraiment des connards de droite pragmatiques. Bah, une épée en plus dans le groupe, moi je dis, voilà. C'est ça, qui se plaint. Alors attends, fais voir ses stats un peu. Ah oui, Win, on peut voir ça? Tu peux le sélectionner, toi, ou pas du tout? Je peux le sélectionner, mais je suis pas sûr de pouvoir voir ses stats, attends. Ah, j'ai la marque de la couronne. Depuis qu'on vous a retiré la couronne, vous pouvez plus rien porter d'autre sur votre tête. Vous avez même l'impression que vous a jamais quitté. C'est certainement un effet secondaire du lien que vous avez mal noué avec sa magie phénoménale. J'ai une auréole, lol. C'est trop bien. Canonisé. Enfin, non, peut-être pas, quoi, mais... Écoute, voilà. Très bien. Il faut qu'on aille à Grainville. Ok, ok. Alors, on me dit que ça ferait moins d'XP, j'y crois pas. Il a pas de level, de toute façon, il a pas de stats... Il n'y a pas de stats. Il n'y a pas l'air d'avoir de quête supplémentaire. La mère Cariad Brittincelle. Excuse-moi, je crois que c'est la princesse. Vas-y. J'aurais parlé à la princesse, souviens-toi. Elle n'a pas donné son opinion, elle. Ah bah voilà, t'as son opinion, niquez-vous. Ouais, c'est ça. Bonjour aventurier, allez vous faire foudre. Merci, princesse. Tirez-vous. Officier du portail majeur. C'est vrai qu'on a un portail de téléportation maintenant. Ouais, il faut qu'on regarde où est-ce qu'elle se trouve, Grainville, pour voir comment on peut y aller rapidement si on y va par la route. Écoute, je te fais confiance, vas-y. Alors, attends, on va regarder déjà. Ici. Moi, je me tiens devant l'officier du portail majeur, comme ça, si jamais tu trouves, je peux cliquer, on se téléporte, on se casse. Attends, comment est-ce que je peux. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il a l'air solide. Je crois qu'en toute façon, on peut pas voir le truc. En fait, on doit aller sur le portail pour voir quelles sont les différentes destinations possibles ou sortir de la ville, en fait, pour avoir accès à la carte. Il semble pas qu'on puisse voir la carte extérieure de l'intérieur. Enfin, j'ai pas souvenir. Hop. Non, je pense pas. Je vais aller vers le portail majeur pour voir... Je peux pas parler à l'officier du portail majeur, j'ai pas le droit. Ah bon ? J'ai pas le droit, non, j'ai ça, pas le droit. T'as pas le droit. Je peux pas lui parler. D'où ? Oh, bro, là, tu... Non, on en a chié pour débloquer ces portails, je suis pas d'accord. Non, mais il faut partir. Hein. À l'ancienne. Putain, c'est pas grave, hein, tant pis. On va aller partir de la ville. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on peut pas regarder les stats du mec qui nous a rejoint. Ouais. Ses stats sur l'équipement. Quitte à ce que ce soit fixe, tu vois. Ça me dérange pas à ce que ce soit fixe. C'est juste, savoir de quoi il est capable. Parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvé avec une orquesse ou un orque gobelin dans l'équipe et qu'on savait pas le maîtriser... Grainville, c'est juste en dessous, effectivement. Ah bah c'est juste à côté, ouais. C'est pas très loin. Okay, très bien. Écoute, mène-nous. Attends, avant d'y aller, c'est quoi le truc pour composer des choses? Fabrication, ouais. Qu'est-ce qu'on va fabriquer? Je peux faire une petite potion de soin, une grosse potion de soin. Une épée à deux mains dévastatrice, avec la gemme maudite, pourquoi pas. Je peux faire des potions de soin, mais c'est des petites... Je préfère garder les trucs pour faire des plus grandes. Armure de cuir robuste et armure des flammes dansantes, une griffe d'ours, un cimetière tranchant. Je crois que c'est un cimetière plus 2, mais les cimetières ne servent à rien, n'est-ce pas? Dommage. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on en ait l'utilité. Épée d'acuité, non. Brûlure blanche, non. Arc court de précision. Je crois que c'est un arc plus 2, en fait, vu que ça demande du rubis de sang, et le rubis de sang se permet de faire du plus 2. Mais on n'a pas d'objet magique à proprement parler... C'est dommageable. Carreau de douleur profonde, caresse de goule, ça c'est le plus fort. Dard sombre et crochet de l'enfer. Je crois que crochet de l'enfer c'est énervé ça. Il me semble. J'ai un doute. Je préfère un parchemin de projectiles magiques. C'est vrai que c'est bien ça. Tu sais quoi, je vais en produire quelques-uns. Parce qu'on pourra les donner à tout le monde et tout le monde aura le piou-piou. C'est toujours bien d'avoir un peu de piou-piou, tu vois.
Ouais, je suis d'accord. Quand on arrive un petit peu, tu sais, dans les moments où tu te retrouves face à des ennemis qui sont, par exemple, insensibles à tout ce qui est dégâts physiques, c'est pas plus mal d'avoir quand même quelques possibilités de balancer quelques sorts, même via parchemin. Ça reste toujours utile. Ouais, non, mais voilà, c'est surtout, t'as un ennemi, il reste 3 PV, il est hors de distance, j'ai claqué mon tour, t'es au cac, mais t'as la flemme. Piu-piu, c'est ça. C'est bon là, vas-y là, tu sais le mec il est là, il fouille dans ses poches, il sort le petit rouleau, il déchire le petit cachet de tir, il est là, il souffle un coup dessus pour enlever tu sais, la poussière et tout. Et c'est, c'est les nouveaux parchemins en cigarette électronique, tu sais, boum, gars, il crache un nuage de fumée, ça lâche 5 projectiles magiques. Ok, t'as j'avais une question. Alors, par contre j'avais une question, excuse-moi, sur les personnages, le personnage de Demi-Pinte notamment. Ouais. Maîtrise, dans ses maîtrises il a ambidextre plus un de dextre, vous êtes capable de battre avec deux armes, même lorsque les armes à une main de corps à corps ne sont pas légers. Ouais. Armes courantes, oui, épée longue, rapière, épée courte, très bien, donc il maîtrise des épées courtes, précision instinctive, ouais. Et il est ambidextre, oui. Donc là je lui ai mis épée courte éclatante et vipère noire, c'est-à-dire une rapière. La rapière, c'est une arme de guerre. Mais est-ce qu'il a la maîtrise des armes de guerre? Ah, ça, je ne sais pas. Épée longue, rapière. Il a la maîtrise rapière, spécifiquement rapière. Ah, voilà. Donc, rapière et épée courte. Épée courte et rapière sont deux qu'il maîtrise. Il a, ambidextre. Les deux sont des armes finesse qui jouent sur sa dextérité. Et ambidextre précise, plus un de dextre jusqu'à un maximum de 20. Et vous êtes capable... D'accord, donc c'est full dextre. Donc, normalement... Ça devrait être bon. Et enfin, pour Elvira, arme courante, armure légère, armure intermédiaire, bouclier, armure lourde. C'est-à-dire qu'elle peut porter des armures lourdes maintenant. On l'a équipée avec quoi? Avec une armure intermédiaire. Elle a une armure intermédiaire parce qu'on n'avait pas d'armure lourde. Parce qu'on n'avait pas d'armure lourde, plus compétente, c'est ça. Plus compétente. Et je pense que c'était aussi une histoire de skin. Tu te souviens qu'on avait trouvé une armure qui était genre... Mais... Même pas un poil mieux que ça, mais qui était dégueulassement moche. Ouais, voilà, c'était pas et possible. On s'est dit non. C'est pas possible. Elle on s'est dit non. Elle a un bouclier plus 2, donc plus 2 de CA et plus 2 de bouclier, donc plus 4 de CA, ouais. C'est très bien. Ça pousse sa CA jusqu'à 20, alors que l'autre a 21, mais bon, c'est parce qu'elle a giga armure aussi. Et arme, masse d'armes broyante, 2d6 de dégâts. Et elle a son arbalète. On n'a rien de mieux qu'une masse à 2d6 de dégâts. Je suis pas sûre qu'on est mieux pour elle pour l'instant. C'est quand même fou. Après, Morgenstern puissante. On avait crafté pas mal de trucs pour les autres. Hein, le si problème, en fait, c'est qu'on sait pas quelles sont les stats des armes qu'on prendrait. Parce que la griffe d'ours, on l'avait faite, je crois me souvenir. Elle était dans le machin, donc c'était pas top. Masse d'armes broyantes. Masse d'armes fracassantes. Masse d'armes broyantes. C'est ce qu'elle a, masse d'armes broyantes. C'est ça, son arme. C'est ça, oui. Elle a donc la masse d'armes broyantes, qui est donc 2d6 de dégâts. 2d6 de dégâts, c'est pas de la merde, mais il y a mieux. Morgenstern puissante, rubis de sang, diamant d'Elai et dents de bullette. Où est-ce qu'on trouve des dents de bullette? Je n'en ai aucune idée. Parce que ce serait l'occasion justement de faire une arme qui peut-être, vu qu'elle serait rang plus 2, tu vois, pourrait dépasser de loin ce qui est capable de... Ce qui est capable après, de... Après, c'est Elvira. Encore faut-il qu'elle touche. Oui. C'est pas le problème. Oui, mais il me semble... C'est pas le problème de l'arme. C'est plutôt le problème de... Il me semble qu'elle touche à force. Son... Donc, normalement, là, à force plus 5, elle devrait fonctionner mieux, tu vois. Sauf si, bien sûr, le machin, il a des CA. Normalement, on peut savoir les stats des armes qu'on peut crafter. Ben, Biscotor, ça m'intéresse. Je sais pas comment tu les trouves, mais moi, j'ai beau... Ah si, c'est bon, attends. C'est bon, il faut rester sur l'image. Non, si tu cliques sur l'image, ça fait apparaître l'arme en haut à droite, l'image de ce que tu peux crafter. Oui, voilà. Et si tu mets ta souris sur l'image... Ta souris sur l'image, tu vois les dégâts. Voilà. Et donc ça ferait 1d8 plus 2 perçants, comparé à 2d6. Mais c'est de la merde. Quoique tu me diras, au moins il y a automatiquement 3 de dégâts, minimum. Ouais. Bon, c'est dégueulasse. C'est pas ouf, hein. Votre valeur de force est de 19 lorsque vous maniez cette arme. Elle n'a aucun effet sur vous si votre valeur de force est déjà égale ou supérieure à 19. Ah ! Donc l'intérêt de cette arme magique, c'est d'être un palliatif à ta force. Il faudrait la donner à John Demi-Pinte si c'était une arme finesse. Voilà. Oui. Je regarde la griffe d'ours. 1d8 plus 1 dégât et 1d6 dégâts contondants. Mais en fait, si, elle est très bien. Parce que l'autre, c'est juste 2d6. Mais là, c'est des dégâts perçants. Ah, parce que l'autre, c'était des dégâts écrasants. Mais là, c'est à la fois perçant et écrasant. Mais attends, la griffe d'ours, elle est très bien en vrai.
La griffe d'ours, c'est juste plus de damage. Oui. Mais je pense que on était en train de, tu sais, de finaliser les crafts d'abord, en fait, les plus, entre guillemets, les plus importants qu'il fallait qu'on fasse avec les compos qu'on avait. Qui peut faire la fabrication de ça? Je pense que c'est Archibald, non? Elvira peut, hein. C'est Elvira? Alors Elvira, normalement, ouais, au niveau de la fabrication, elle peut faire, du coup, tu veux une griffe d'ours, c'est la ça? La griffe d'ours, ouais. Ouais, ok. Alors on m'a dit, mais c'est que des armes plus 1, donc c'est obsolète, fais voir. Ah ouais, t'as raison, elle est obsolète. Et celle-ci, elle est plus 2, hein. Ah, elle est plus 2, c'est vrai que bonus d'attaque, bonus dégâts, plus 2. Écoute, et ça, c'est une arme plus 1. Ouais, non, ça vaut pas la peine. Il a raison, ça vaut pas la peine de gaspiller. Laisse tomber. Mais excuse. Mais c'est pas grave, on regardera, on aura encore certainement d'autres sets qui vont tomber par la suite. Hein. Tout à fait. Parce que c'est vrai que si elle a pas le plus 2, là, on aura moins de chances de toucher, et il faut toucher, t'as raison. Allons à Greenville. Ouais. Allons-y, normal. L'aventure commence. D'accord, il dit que c'était... Elvira, tu fais un sanglier, donc tu vois, il touche quand elle veut. Ça, il dit un village non loin au sud, ça a juste mis 4 heures pour y aller à pied. Hein. C'est ça, quoi. Non loin au sud, ouais, mais bon, qu'est-ce que non loin aujourd'hui, quoi. Mais aujourd'hui, tu fais 4 heures en voiture, c'est... Tu fais le tour du truc, quoi. J'avoue. 4 heures en avion. Ah, 4 heures d'avion. This is it. Acorn. Look, a farm. And another... High adventure, I love it. This doesn't exactly feel like the headquarters for a massive invasion. But it could be hiding a small group of infiltrators. Let us examine the area in search of clues. What? No tavern? Well, that's suspicious for a start. That was my line. You'd better be quiet if you don't want us to be spotted. Alors, se faire repérer dans un village où il y a personne... J'ai envie de te dire qu'on est là, on arrive tous les quatre en armure, tranquille, tu vois. J'avoue, hein. Comment dire? Oui. Et puis l'autre qui râle direct, tu vois. Pas de ta merde. Un village. L'exotisme. Moi je mets le mec. Oh, un village, regardez cet exotisme. Quoi? Pas le confort d'une taverne? Pas de wifi? Putain. Y'a même pas de Starbucks? Y'a même pas d'eau chaude, voilà, c'est ça. Mais le mec, on a eu la clémence, la bonté de le prendre avec nous en truc et il arrive encore à râler. Hein. Il est déjà chiant, ouais. Il est déjà chiant. Il y a beaucoup de fleurs devant cette statue, je t'invite à pas y toucher. Ouais. Oh regarde, on peut toucher les fleurs. Non, c'est ça a l'air suspicieux, shit, ça ressemble à une énigme si tu veux. Touche les roses dans le bon ordre. Alors, comment dire? Qu'est-ce qu'on a ici? Empreinte repérée. I have something. Footprints? Really? It's a village. People live here. Your villagers have claws. Sorax? This is it. Be ready for anything. Voilà, c'est ça qu'on veut, du sang, alors, du lézard. J'ai eu la clairvoyance de me mettre en mode discrétion à l'instant où le combat s'est lancé. Je ne sais pas si ça compte. Ça n'a pas compté, malheureusement. Je suis sûr qu'il était caché dans le buisson de rose. Regarde. Le mec qui arrive par là. Effectivement. Oh. D'ailleurs, c'est son tour. Mais... hein. Ils sont trop stylés. Il est possédé. Ah, il est encore invisible. C'est moi ou il est bugué? Non, il est juste... il est à fufu. Il est invisible. Voilà, c'est ça qu'il voulait faire. Moi, je vois pas. Il n'y a rien qui bouge, là. Ah, il y a Archibald qui est en train de se faire frapper par un Sorak qui a fait un sort d'invisibilité. Ok, je pense que je suis déco. Parce que moi, ça s'est juste arrêté sur tour de l'adversaire. C'est à toi de jouer. Est-ce que t'as rien qui s'affiche? J'ai absolument rien qui s'affiche. Ah, c'est un problème. Yep. Ok, bah on a une sauvegarde auto juste avant, si tu veux. C'est un rip, ouais. Je relance alors. Je keep, je rejoins. Après, en plus. Attends, a quitté la salle. Du coup, maintenant, c'est moi qui ai le contrôle de tes personnages. D'accord, regarde si tu peux revenir, je ne touche rien pour l'instant. Voilà. Et sinon, je relance simplement la sauvegarde. D'accord, je ne vois absolument plus rien. Tout est planté, je relance le jeu. Vas-y. C'est les Sorak, hein. On va faire planter sa connexion. Moi surtout, ce qui me gaffe, c'est l'idée que les traces, tu vois, étaient obviously un piège. Mais que si on va leur parler, si on charge la sauvegarde qu'on va leur parler, ils vont tous nous regrouper pour la conversation, en fait.
C'est, oui, bah ça. Donc on va être groupir comme des sacs. Et problème subséquent numéro 3, c'est que maintenant qu'on est 5, on est obligé de laisser quelqu'un en dehors du cercle de flammes. Et oui, mais c'est pas grave, tu sais bien qui on va sacrifier. Ah, du coup, je vois plus ton jeu. Ok, d'accord. Bah alors attends, je vais relancer de mon côté, ce sera peut-être plus simple. Hop là. Alors, je vais quitter, je vais relancer le jeu aussi, comme ça on repart sur une connexion propre. Vous reniflez une rose, un malandrin déguisé en lézard vous attaque. Écoute, il faut parfois, voilà, il y a des choses dans la vie. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, multijoueur, voilà, normalement c'est toujours ça, charger une partie, autosave Greenville, voilà. On va relancer ça et on va voir si ça fonctionne. Voilà, normalement tu dois pouvoir rejoindre la salle, la voix, récupérer tes personnages et dès que c'est bon. Nickel. Ok, donc ça, je t'attribue tes personnages après. Et voilà. Ok, good. Voilà. On va revenir dessus. Oh, des empreintes de pas. C'est les mecs qui reviennent deux fois. Ça, ouais. Oh non, le jour de la marmotte. Oh non. C'est tellement ça. Le mec a déjà placé des mines clés morts partout dans le village. Oh non. Et bah juste... Ah bah non, bah d'accord. Ah, ça m'a repris là au combat. Ok. Donc le tour s'est passé. À toi en plus de jouer. Incroyable. Que s'est-il passé? Non. Il s'est rien passé du tout. Tu n'as pas encore... C'était à toi. Donc là, on est vraiment revenu au moment du combat. On fait tout ça, ça t'a déco. Shit. Et donc c'est à toi de jouer. Et donc je suis à l'arc. Eh ben écoute, je m'équipe de l'épée. Yep, on va commencer à faire de la place. Vas-y, vas-y. On se décale. Ouh. Ça me poignarde. Je sais pas combien je lui ai fait de dégâts, mais il a bouffé. Tu lui as fait mal. Tu lui as fait mal. Deuxième coup d'épée, critique avantageux. Et tactique de distraction, si je me déplace, il est probable que je m'en prenne une. Mais si je me mets là aussi, je serai à couverture. Mais je serai aussi faible. Je vais finir le tour ici. Ok. Arwin, action légendaire. Ah, il joue tout seul. Ah non, pardon, c'est le boss. Oui, ah d'accord, c'est le boss, il a le droit de jouer. Le boss a le droit de jouer, d'accord. Ok, maintenant c'est à Arwin. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a deux attaques à l'épée. Alors, attends, c'est un quoi déjà? Do we even know? I have absolutely no idea. Il tient son épée à deux mains, mais il a une deuxième épée dans sa main. Il a deux épées. Alors, attends, je vais regarder ce qu'il a. C'est quoi? L'assaut, pouvoir. Ouais, et des attaques quoi. C'est un bourrin quoi. Donc, dit c'est un guerrier, donc ouais, bourrin. Ok, bah je tape celui qui est presque mort ou je tape l'autre? Le boss, Shikat Sorakat, celui qui brille en bleu. Ok, d'accord. Très bien. Parce qu'il a des actions héroïques, donc si c'est un boss, c'est qu'il nous cassera les couilles. Bah, qu'est-ce que tu marches dans le vide là? Ah quoi, il est bloqué? Ah, je peux pas le taper. Ok, c'est... Oh, d'accord, très bien. Attends, est-ce que je peux passer à travers là? Oh, ok, on va le placer correctement. Ça première touche. Attaque. Ça touche. Quinzaine de dégâts, une vingtaine de dégâts. Voilà, oh, une trentaine, trente-cinquaine de dégâts, la vache! Sélectionner une cible, attends, j'ai une troisième attaque avec lui. Dommage. Ah, dommage. C'était intéressant. Oh, il y a encore des trucs à côté là. D'accord! Il vole! Ah, c'est pour toi ça, ça vole! Ça vole, ça bouge! Oh, quelque chose me dit que ça va s'écraser très rapidement. Archibald, c'est à ton tour. Je réfléchis. Alors, invocation élémentaire, chaîne d'éclair, cône de froid, bombe explosif, missile magique. Un bon vieux éclair en vrai. Ou porte magique, hein. Porte magique, je peux téléporter un perso de plus ailleurs. Ouais. Genre moi et peut-être Elvira. Non, Elvira, faut qu'elle reste au cac. Elvira, il faut lui laisser ses dégâts nécro au cac, voir qu'elle tape quoi. Mais je vais d'abord utiliser les dégâts nécro, je pense. Ça fait toujours très très mal en général. Petit final flash, non, ça m'a l'air un peu risqué. Je ne sais pas ce que je vais balancer comme ça en réalité, parce que je ne sais pas combien de PV il a le machin. En vrai... Arwin, il a un lasso. On vient de me faire remarquer dans les trucs. Du coup, ça veut dire que peut-être je peux choper celui qui est en l'air au prochain tour. Le problème, c'est que là, je suis trop près des ennemis et je ne peux pas zoner. Ouais. Donc ça me paraît être une mauvaise idée, si tu veux, de
Fais comme tu le sens. Il y a, de toute façon, il y a encore des ennemis qui sont un petit peu dispatchés plus loin. T'as le vétéran. T'as celui qui est en vol. Évidemment, tu pourras pas zoner, ça c'est sûr. Hein, parce qu'on est un peu trop aggloméré là. Au même endroit, donc je te laisse un peu faire comme tu le sens. Alors, entorse mentale. Inflige des dégâts psychiques considérables aux créatures hostiles autour de vous et les neutralise si elles ratent leur jet de sauvegarde d'intelligence. On est d'accord que c'est que pour les hostiles. Je pense, oui. Ouais. Bon, bah, on espère, parce que là, je vais zoner très fort autour de moi, là. Let's go. Ils vont tous devenir neuneux. Ah Counterspell. Salaud. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas correct, ça. On avait oublié les counters, c'est vrai. Putain, Kaioken. Je pense qu'il est énervé, là. Attention, serre les fesses. Raté. Raté. Touché. Pas raté. Mais pas grave. Attaque d'opportunité, c'est pas grave. Bon, c'est un sac de PV maintenant, donc ça va déjà un petit peu mieux, quoi. Malgré sa petite toche Gucci. Ouais, mais je me suis fait counterspell, c'est vexant. Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout counterspell, succès critique. Attention, John. Ok, c'est bon. Le vétéran. Oh, il a tout chié. Hein. Ouais. Il a tout raté, le mec. Il a trois attaques quand même. Hein. Ouais, mais attends, John, on l'appelle pas. Demi-pingue pour rien, ouais. Alors, on a les gros lézards. Il y a un très très gros lézard là. Alors, attends. Il va falloir augmenter notre DPS. Hein. Ouais. Alors, attends, laisse-moi déjà un petit peu regarder ce que je peux faire. On mettrait pas un petit boubou. Tu sais, le petit boubou qui fait du bien là, le truc. Attends, où est-ce qu'il est celui-là déjà? Est-ce qu'il est mon bon? Le bouclier là autour de nous, qu'ils aiment pas trop. Le truc alors, des esprits. Attends, ouais, vas-y. Ouais, je suis en train de regarder. Attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Esprit gardien, voilà, c'est ça. Esprit gardien, rang 6. Bien ça. Voilà. Ça, c'est toujours bien ça. Genre qu'il te counterspell pas. Normalement, non, il peut pas. Je pense qu'il counter pas ça. Et qu'est-ce que j'ai comme sort? Rien d'intéressant. Ok, pour elle, le tour est terminé. S'ils rentrent dedans, ils prendront des dégâts. Troisième action, légendaire. Cristal esquivé. Ouais, tu sais que les actions légendaires, ça veut rien dire. Hein. Il reprendra ses actions légendaires au prochain tour, en fait. Je sais pas comment ça marche, mais c'est juste, en fait, l'ennemi a le droit de jouer à chaque fois. Alors, on va faire... On laisse le boss. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais... Attends, je vais juste me mettre une petite faveur divine. Avant de me péter la gueule. Parce que j'oubliais toujours de me buffer avant, tu vois. Ce qui est quand même bien dommage de... Bon, Cristal, tu rates pas, fais-moi honneur, s'il te plaît. Allez, châtiment. Bien, un tiers de sa vie. Dommage. Ah, dommage, deuxième raté, c'est pas grave. Il y a encore une, un gros gros lézard qui arrive là. On est confiant. Ouais, je m'inquiète pas. C'est la savonnette demi-peinte. Sauvegarde de sagesse, il s'est pris ton bouclier. Et ouais, il est en train de cramer sur le bouclier. Ils sont tous en train de prendre des damage. Ok, il s'est soigné. Ok, deux attaques d'opportunité pour moi. Une pour Cristal et une pour Arwin. On va taper, rater. Allez, échec critique. Ah oui, comme ça. Il est presque mort. Ouais, c'est ça, il va viser. Il est bon là. On est bon là. Sur non, non, il n'aurait pu faire. Attaquer, attends. Attaque d'opportunité. Oh là là, Elvira qui a mis la petite claque sévère. Parchemin imprudente, parchemin fléau. Je sais pas ce que fait le sort fléau. Ah, le sort, bah là en tout cas, il est juste à côté de toi, tu peux vraiment bien lui cramer la gueule au cas où. Parchemin de boule de feu. Parchemin de... Ah, une seconde. Parchemin de NFT. Bonjour, voulez-vous investir dans la crypto? Le Sora qui fuit. Ok. Puff. Parchemin de boule de feu m'a l'air un peu risqué. Ouais. Après, c'est bien parce que ça pourrait déstabiliser cette espèce de coyote là. You know what? Lancer boule de feu. Bah, malheureusement, j'en toucherai que deux. Écoute. Je vais commencer à viser. Écoute, c'est mieux que rien. Je vais commencer à viser, voilà. Je commençais à viser cette espèce de piaf volant. Tiens, vas-y, ouais, counterspell celui-là. C'est de la littérature, enculé. Là, il a atterri. Et il est mort. Oh,
tu la hausses. Oh mon dieu. Magnifique. Et je peux encore poignarder des trucs. Touché. Touché. Ouh. Je me décale. Voilà, parfait. Action légendaire pour molester Archibald. Non. Hop là. Petite glissade arrière. Ok, c'est Arwin. Il va se prendre une attaque d'opportunité, c'est pas grave. Esquive. Je le déplace. Voilà. Allez. Ah, voilà. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Pam pam pam. C'est quoi? Voilà, un petit shot. C'est toujours bien. Et pas alors mal. Je peux encore faire une attaque. Mais les autres personnages sont un petit peu trop loin. Je vais juste le laisser là, je vais finir mon tour. Voilà. Chier, c'est ce que je voulais faire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'arrive aussi de me déplacer. Ok. Comment tu te sens à l'idée de dégâts alliés déjà? Parce que t'es écoute, pile dedans. Écoute, on va faire avec, hein. Je soignerai après, c'est pas grave. Non, il's ok, allez. It's ok. Quoique, en faisant ça, je sauce tout le monde. Bon, mais le vétéran n'est pas une vraie menace, il est déjà empoisonné de toute façon. On va viser ces espèces de gros empaffés. Prenez ça! Hadoken chargé, les enfants! Là! Là, 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 là. 39 de dé... 39 chacun. 30 plus 9 quoi, oh my god. Pas mal. Tu leur as mis la sauce là. Elle est belle. La petite esquive. La savonnette, mon dieu. Il est passé dedans. 22 radiants. Oui. Ah ouais, ça fait mal hein. Le boubou, non, il lui a rien fait. Hein. Arwin, il a encore plein de PV. Par contre, il attaque 50 fois. J'avoue. Bon, alors. Avec toi, qu'est-ce qu'on va faire? Fais au mieux. On n'a pas un petit toucher nécro là? C'est quoi ça? Blessure niveau 5. Ah oui, il faut d'abord que je me rapproche. Attends. On va lui demander s'il est. Alors, est-ce que tu es d'accord que je m'approche un petit peu de toi, petit? Vas-y. Voilà. Moleste. Hop là. On va molester ça. Attends, hop. J'aime bien ce petit sort. Plutôt efficace en général. Ça tue? Ça rate. Ça esquive. Ça, c'est moche. Je suis triste. Achève 101. Mon dieu. Oui, je viens d'achever, t'inquiète pas. Attends une seconde. Bon, Cristal, tu touches, hein. Mais non, mais échec critique. C'est une glissade. C'est le deuxième que tu fais d'affilée. Mais je suis d'accord. C'est honteux. Mais problème. Troisième presque, c'est honteux. Je suis d'accord. Ça va pas. Bon, attends. Qu'est-ce que je peux faire? Allez. Ok, j'utilise un autre petit buff. S'il reste encore quelque chose à tuer le prochain tour. Aïe. Attention, Archi. Tant pis. Ça whiff. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'ils ont 18 coups quoi. C'est ça qui fait un petit peu mal, c'était. Et ça touche. You're still in the fight, my friend. Ça griffe hein. Ah ouais. Bon déjà. Bon, John, je pense qu'il va l'achever, le petit vétéran. Oh, il vient lui mettre un coup de tac dans l'œil. C'est c'était ça. Pas beau. Non, ça prendra encore quelques coups. Il est pas ouais, mort. Ouais, ouais il est un petit peu plus résistant que ce que je pensais. Bon. Alors. Achève, il faut okay. En achever un. Oui, je m'en occupe. Et de... Ça tue. Ça tue. Normalement, ça touche. Et ça rase. C'est des glissants ceux-là. Attends, j'ai encore une attaque avec lui. Ça voilà, touche. Tiens, mange. Archibald, là, il va se venger, il va le regarder droit dans les yeux, il va lui faire un Hadoken des enfers. Attends. Alors comme ça, t'as voulu me griffer? Une seconde. Elle pouvait utiliser ça.
Très bien. Overbust. Kaioken x2. Entrave arcanique. Je suis paralysé, mais tous mes sortilèges font au moins plus de la moitié de leurs dégâts. Minimum. Ils peuvent pas faire moins. Ah oui. Et je peux pas bouger, et je prends des dégâts. Mais c'est pas grave. Arcana. Final Flash. Voilà. 29, 9 radiants. Finalement, la boule de feu aurait eu le même effet, mais ça a des pouvoirs aveuglants. Et si je me trompe pas, tous les tours, le Final Flash devrait revenir ou continuer de faire des dégâts. Ouais. Donc faut pas se mettre en dessous de lui. Restez sur vos positions, en fait. Il se soigne, il est comme ça, lui. Il est malin. Ok. Non, mais il a pas compris encore. Oh. Il est au bon que le marteau. Attendez, il m'a effleuré, l'enfoiré. Donc si tu dois te mettre à côté du Sorakar, il faut que tu te mettes à gauche de Darwin Merton, à sa gauche. Donc au-dessus de lui. Je vais faire ça. Sinon tu seras en plein dans le Final Flash. Ouais, je comprends. Après, Crystal a achevé derrière. Ça tue. Voilà, boum, 37. Ouh. Alors, avec Crystal, je toucherai pas. Qui reste vers le truc. Ah, il reste le vétéran, j'avais pas fait gaffe. Il reste que le vétéran en fait en bas, mais j'ai pas assez d'allonge. À moins que je balance un sort, attends. Parce que j'ai quelque chose à distance. Au pire, laisse pisser le tour. Hein. Archibald joue avant lui, il me reste du Final Flash en main. Laisse-moi ce plaisir. je mets juste un petit éclair, juste pour le plaisir. Ça touche pas, tu vois. Regarde, voilà, comme ça, je te laisse. Regarde, j'ai fait semblant de faire un truc. Magnifique. Fin du tour pour John. Tu veux que je passe avec Ouais, j'ai des rayons en main là. Je pense qu'il y a des choses qui doivent rayon de soleil, voilà. Boum. Oh là là là. Mais il a pris seul 29. Ah mais il est aveuglé maintenant. Il est aveuglé. Vas-y, essaie de faire quelque chose, on te regarde. Oh, il touche. Oh. Il touche. Qu'est-ce qui se passe? Aveuglé, mais ça touche. Il est meilleur quand il est aveugle que quand il l'était pas. Ça s'appelle l'ultra instinct, ça. C'est chaud. Attends. Ah, tu peux l'achever, vas-y. Vas-y, je vais voir si j'arrive à lui lancer un petit spell. Hein. Voilà, boum, un petit 23. That didn't feel like we surprised them. Because we didn't. This was a trap. Yep. Carefully set up to kill us. Well, you, I guess. Harmon Summer? He said the intelligence wasn't certain. The antiquarian? He told you about this place? He's a traitor. A Sorak in disguise? Or just one of their agents. Anyone check him for a tattoo? There's only one way to know for sure. Let's go back to Caer Kiflin. Survie. Si tu permets, je dis juste bonsoir parce qu'il y a Crane qui vient d'envoyer un petit raid. Oh, bonsoir, c'est adorable. Beaucoup, Crane. Et moi, j'aurais besoin d'une pause de 5 minutes. Un, il faut vas-y, que je pisse. Et deux, prie. Il faut que je parle à ma choupette. Vas-y. Voilà, elle est rentrée, c'est pour ça. Va choupetter et ensuite on reprend tranquille. On se retrouve d'ici quelques instants. Hop. Bien sûr, je vais en profiter pour faire une petite sauvegarde du jeu. Vas-y, je coupe. Comme ça, hop. Vas-y. Hop. Voilà. Une petite sauvegarde, comme ça. Je vais juste me mettre sur Discord. Alors attendez, je regarde. Discord, bonsoir, merci beaucoup Crane. Merci beaucoup pour ton raid. J'espère que tu vas bien. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Et bienvenue à vous. Attendez, hop, je remonte juste un petit peu le chat. Du coup, bonsoir, attends, j'ai peur de mal prononcer vos pseudos, vous m'excusez si c'est le cas. Bonsoir Geldar, bonsoir Bando, bonsoir Cusco, Cuscos, tu le prononces comment? Comme Cusco, le dessin animé? Bonsoir Batsoon, bonsoir Chucky, bonsoir Lexo, bonsoir Kruger, bonsoir Tabloge, bonsoir Kiratox, bonsoir Formuadib. Oh, je suis vraiment désolée, c'est terrible. Hein. Bonsoir Calvugo, bonsoir Mantel Rouge. Ah oui, non, les alertes, je crois que je les ai désactivées, Verfras, mais c'est gentil d'avoir essayé. Bonsoir, Kirnel. On a fait de la résistance, on continue. Baldur's Gate 3. En fait, je vais le faire, mais j'attends un peu que la vague soit passée.
Je vais le faire. En fait, je voulais le faire en multi à la base. Et finalement, je me dis que je vais probablement le faire en solo parce que j'avais bien aimé en duo. Et donc, voilà. Alors, attends, je ne sais pas.
Heureux. Là, on était là. Impeccable. Heureux. Heureux, impeccable. Et brave Jean, oui, j'autorise les liens sur mon chat, mais si c'est quelque chose qui est en relation avec, la, avec le divorce que je me suis tapé derrière, je trouve que c'est pas de bon goût. S'il vous plaît. Vous avez le droit de vanner, mais essayez d'être tasteful. Allez faire des blagues sur la mort du père de Mr. MV dans son chat. Vous voyez comment ça se passe. Je vous jure. Non, mais je vous jure. Aïe. Non, mais... Ils n'ont pas été très sages. Ils sont sages, mais ils sont autistes. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui leur rappellent les conventions sociales normales et qui leur tapent sur le nez. Mais il faut aussi leur dire qu'on les aime très fort et leur faire des câlins. Et pardonner 100% à ce genre d'exaction, parce que sinon, ils n'apprendront pas. Et puis après, tout le monde s'attend et expecte que tu connaisses ces conventions sociales sans que personne ne te les apprenne jamais. Il suffit que tu vives dans une famille un peu dystopique pour être constamment décalé et être considéré comme un gars bizarre. Alors que tout ce que tu as besoin dans ta vie, c'est de quelqu'un d'un normie à peu près normalement constitué qui vient et de temps en temps dire Clément, tu fais de la merde là, c'est pas acceptable. Et toi, tu te sens super mal, mais lui, il a rien à faire, tu veux jouer à Street. T'sais, il s'en bat les couilles. il t'a juste mis une quille sur le nez en fait. Tout va bien. Bah, les conventions, tu vois, ça c'est un truc que j'essaye de beaucoup en fait apprendre à ma fille. Pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on les fait pas. Et en même temps, c'est là que tu te rends compte de la complexité des relations en fait aujourd'hui avec. Certaines choses où toi-même, en fait, à travers la transmission, comme avec le français, quand je ne me rends pas compte, tu vois, alors que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je pense que j'ai une bonne culture, tu vois, de la langue française, et je ne me rends pas compte, en fait, de la difficulté que cette langue de ces morts elle a, que quand je suis en train d'essayer d'apprendre le français à ma fille, et que je suis obligée, au bout d'un moment, de lui dire, parce que parfois, je peux lui dire, bah, c'est parce que ça vient du grec, tu vois, de ce mot-là qui veut dire un tel, etc. Parfois ça vient d'une expression et je ne suis jamais autant en difficulté que quand il faut que je lui explique. Et ben il n'y a pas de raison, c'est juste ça s'écrit comme ça parce qu'il y a un connard qui s'est dit qu'avec un H là qui se prononce pas ce serait mieux, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de raison parfois vraiment en fait la langue, et c'est là que tu vois que la langue française c'est une langue très pompeuse, tu vois. Mais fun fact, j'ai eu de la chance parce que moi j'avais une véritable ludothèque entière de BD. Et quand je dis de BD, c'est des BD françaises. Donc bien sûr, t'as du Tintin, t'as du Picsou et t'as du... T'as toutes les mères de bas de gamme pour les gosses. Et c'est très bien, tu vois, on apprécie. Mais Tintin, c'est une BD, il se passe rien dedans. Enfin, il se passe des trucs, mais tu vois, c'est pas... Tu peux le donner à n'importe qui, à n'importe quoi. Et j'avais aussi les sagas des Rois Maudits et toutes ces espèces de BD françaises un peu bizarres qui sont moitié cul, moitié histoire, moitié drama, moitié dessin, beaucoup trop perfectionnés pour les artistes de notre époque, si tu veux. C'est pour ça. Et donc toi quand t'es gosse, bien sûr t'as accès, t'as également accès entre les Léonard et les Milo Manara, tu vois. Donc tu ou les Druna. Alors Vampili Morbis de Druna. Alors vas-y, va comprendre le scénar, petit enculé de 10 ans et demi. Donc tu te prends plein la gueule. Mais le truc c'est que tu te prends tellement de français dans la bouche à des quantités folles, et surtout des français de différentes époques, parce que les BD des années 60 et les BD des années 80 et les BD des années 2000 et entre... de la même manière, c'est ça tout, en fait. Et derrière en plus moi la bonne astuce que je pense c'est qu'il faut rajouter 2-3 BD argotiques. Tu mets des Little Kevin ou du comment ça s'appelle, du Little Kevin de Meister ou du Joe Bartim. Voilà. Et là par contre la meilleure session que j'avais, et ça par contre je m'en souviens, c'est peut-être la seule fois où mon père ou mon frère m'ont aidé à lire ces BD là, c'est, et pas quand je demandais occasionnellement un mot à ma daronne parce que je le pigeais pas, tu vois, c'était les Joe Martin et les Little Kevin, parce que dedans il y a de l'argot. Et donc polichinelle dans le tiroir, alors tu sais ce que c'est un polichinelle, bon parce que c'était mon époque aussi, mais voilà maintenant ils savent pas, mais tu sais ce que c'est un polichinelle, mais polichinelle dans le tiroir, mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin, voilà. Et c'est quand ça. T'as quelqu'un qui t'explique tout l'argot des bécanes, tout l'argot des trucs ou quoi que ce soit, forcément tu t'y prends et ça développe, et surtout ça développe le pas le second degré, mais le sens de l'abstraction, qui est la base de tout, en fait. La base de la langue, la base des mathématiques, la base de l'écriture, la base de la littérature ou quoi que ce soit. Et s'il y a bien une erreur totale et absolue de nos jours, qui d'ailleurs est un cancer qui pollue, pullule et pérore totalement le cinéma américain, notamment, ou Netflix, ou absolument tout, c'est qu'il n'y a absolument plus aucune abstraction ou capacité d'abstraction. Tout doit être... littéral, ou alors doit être une métaphore tellement peu voilée qu'elle ne couvre absolument rien. C'est comme un bikini zéro pièce, en fait. Ça voile rien du tout. Je veux dire voilà quoi. Comparativement, pour vous donner une idée de ce dont je parle, quand tu as les hyènes qui marchent devant Scar en mode en rang, tu sais, devant le Scar qui se tiennent en vert et quoi que ce soit,
C'est une allégorie au nazisme ou au fascisme, donc au nazisme en l'occurrence par C. Disney. C'est de l'œuvre d'art comparée aux allégories qu'on nous sort d'aujourd'hui. C'est ça, ah oui, aujourd'hui, voilà, je veux dire... C'est d'une subtilité. Enfin, tu sais, voilà, ouais. C'est... Oh là là, il y a peut-être au moins trois niveaux de lecture, tu vois. Voilà. Ah non, mais complètement, mais aujourd'hui, t'as plus du tout, en fait. T'as l'impression qu'il faut faire simple, parce que les gens, sinon, ne comprendront pas. Mais non, c'est parce que tu fais simple que les gens deviennent un petit peu... Excusez-moi, un peu plus cons, et que du coup, ils comprennent de moins en moins, en fait, la subtilité des trucs. Moi, il n'y a jamais... Je m'éclate jamais autant qu'avec ma fille que quand je me rends compte en fait qu'elle comprend le second degré parce qu'elle réutilise un truc que j'ai utilisé. Ou qu'elle te troll, ouais voilà. En fait, l'explication derrière et elle a compris en fait à quoi ça ramenait et du coup en fait elle réutilise ça, tu vois, mais vraiment dans le bon contexte au bon moment. C'est et ça. Je me dis putain, mais après, t'as tout compris toi en fait et c'est trop bien. Après, c'est vrai que je suis en train de faire un argument d'enfant élevé au Kosovo, si tu veux, durant la guerre, dans le sens où on m'a lâché au milieu des Milo Manara. Des Vampini Morbis de Trondheim. Je les cite, hein, des HK et d'autres BD absolument incroyables. Mais j'avais accès à Achille Talon aussi. Donc c'est sûr que le gamin qu'en sort, bon bah c'est un peu un jet de dé. Bah le G était bon, je pense, non? Oui, moi j'ai eu de la chance, mais j'ai toujours eu de la chance, si tu veux, that's the point. Mais voilà, c'est pour ça. Quoi? Mais c'est génial, Achille Talon, t'abuses. Mais moraliste pudibond, j'ai jamais dit que c'était mal. J'ai juste dit, ce que je voulais mettre en exergue, c'était la différence stratosphérique entre une ambiance Achille Talon, qui certes t'apprend un vocabulaire soutenu de fou furieux pour rien, hein, d'ailleurs trop soutenu. D'ailleurs c'est la blague. C'est un vocabulaire extrêmement soutenu pour des activités d'une mondanité qui n'ont absolument aucun sens. C'est pour ça. Et juste à côté, Milo Manara, tu donnes pas des Milo Manara à un enfant de 9 ans. Ou les rois maudits avec la définition visuelle de ce qu'est un souper, si tu veux. Tu vas dire, pitié. Donc, voilà. Mais d'un autre côté, c'est difficile parce que tu ne peux pas nourrir non plus l'enfant que de Picsou. Non, il faut que ça soit varié, il faut que ça soit enrichissant à la fois pour sa culture, pour son vocabulaire et pour plein de trucs, tu vois. Là, ma fille, par exemple, elle a reçu des trucs, ça s'appelle Mortel Adèle. Et c'est une petite gamine, mais qui est d'un cynisme et d'un truc, c'est impressionnant, mais c'est hilarant en fait. Tu vois, parce que la gamine, en fait, elle prend plein de choses, tu vois, au sens littéral, tu vois. Et en fait, tu vois que. Et elle est. Elle a ce petit côté un peu. Tu vois, un petit peu. Un peu vicieux comme ça, tu vois, mais où tu sais pas en fait si c'est une mauvaise gamine ou si c'est juste une petite saleté. C'est ça, comme c'est ça, tu ça. Vois. Où... C'est ça, c'est et, ça. Et c'est trop, trop drôle. Alors, c'est trop drôle. On me dit dans le chat, Manara aussi fait des BD de science-fiction. Mec. J'ai appris la définition de fist-fucking dans le Manara. Mon Dieu. Avec un mec qui susurre à l'héroïne tendrement et poliment, qui va lui enfoncer son poing jusqu'au coude sans lui faire de mal. Parce que le gars est un expert dans la matière et l'autre est à fond dedans, si tu veux. Voilà, donc, mec, voilà. Mec, d'ailleurs, c'est là. Au passage, c'est là. C'est la conclusion de Manara, le déclic 3, que je conseille. Le parfum de l'invisible aussi, absolument incroyable. De la collection J'aime lire, bien sûr. Et. quelqu'un dans le chat dit et a résumé, il a synthétisé notre pensée. Je pense qu'il a synthétisé le problème dans un éclair de génie humain qui n'est possible que grâce à l'intelligence artificielle humaine, c'est-à-dire le chat. Le chat avec beaucoup de gens, c'est l'intelligence artificielle humaine parce que faut mettre du filtre, mais on y arrive. Merde, attends, où est-il? Ah putain, il a dit un truc et ça a disparu. Voilà, la clé. C'est la variété. La clé, c'est la variété des registres de langue. Oui. La clé, c'est la variété des registres de langage. Je suis parfaitement d'accord avec cet homme. Ça, pour moi, c'est du miel. Hein. C'est d'un côté, ouais. Tu peux lui faire lire les trucs les plus débiles. Tu lui mets du Gaston Lagaffe, c'est très bien, hein, mais c'est débilus, tu vois. Même si en plus, si c'est vieillot, parce qu'ils ont des téléphones à cordes. Enfin, le gamin. C'est marrant parce que ça, nous, on ouais. avait la référence, mais les gamins, ils vont être perdus, tu vois. Avec les vieilles BD. Ah, mais moi, je suis obligée d'expliquer tous ces trucs-là à ma fille. Et en fait, je vois vraiment ce décalage et je vois, si tu veux. L'évolution qu'on a eue d'un point de vue technologique et d'un point de vue en fait beaucoup de choses où il y a des choses en fait où elle me regarde avec des yeux ronds et je suis obligée de lui expliquer, tu vois, ce que c'est qu'un téléphone, une cassette, des machins et tout, en lui disant bah non, il n'y avait pas toujours un écran avec, tu vois, où tu pouvais regarder des vidéos, des machins dessus. Et quand je suis obligée de lui expliquer, tu sais, en mode
vieille conne, tu vois, comme si j'étais ma propre mère quand moi j'étais enfant, à base de « Mais tu sais, moi, à ton âge, eh ben, tu vois, on pouvait pas mettre sur pause et revenir en arrière et regarder 25 fois le même épisode, tu vois, c'était de telle heure à telle heure, il y avait les pubs entre, tu ratais parce que t'allais pisser ou t'allais manger, ben c'était fini ton épisode, tu l'avais dans l'os, c'est vrai, c'est vrai. Je voulais lui expliquer ça, et tu vois, et c'est très drôle de me rendre compte, en fait, à quel point... Pourtant, nous, on a grandi avec tout ça et on se dit, ouais, on est à fond dans tout ce qui est tech, gaming, machin et tout. Et de te rendre compte, en fait, de l'évolution fulgurante, tu la vois à travers les yeux de tes enfants. C'est, tu la réalises à travers les yeux de tes enfants à quel point, waouh. Mais je pense c'est, je pense quand j'étais enfant, bah, maintenant adulte, il y a un gouffre. Je pense, que c'est ce que c'est quand mon grand-père m'a appris à couper des arbres et que mon père m'a appris à couper du bois. C'est pas la même chose, hein. Couper des arbres et couper du bois, des bûches, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'ils ont fait ça parce que, oui, on m'a souvent argumenté, mais Bob, t'es un vieux con, c'est vraiment des skills qui servent absolument à rien. Peut-être, mais comme toute expérience ou toute expérience de langage ou autre, ça permet d'avoir une perspective sur la vie, les gens, les choses et tout le reste. Et du coup, ces gens qui ont expérimenté ça ou qui ont la connaissance du passé ou autre, ce sont généralement les gens qui sont le moins prompts à dire « Ah, mais de toute façon, tous les boomers, c'est des vieux cons !» Ou alors maintenant, on est plus intelligent qu'il l'était à l'époque, tu vois. Ce qui pourrait être techniquement vrai, en termes d'une base de données et de largesse de connaissances et de futur technologique, si tu veux, dans le futur, au même titre que tu aurais plus de connaissances qu'un mec du Moyen-Âge. Mais d'idéaliser le fait que des gens d'avant soient moins cons que toi, ou plus cons que toi, c'est faux, en fait. C'est faux, en fait. C'est littéralement faux. Chacun a l'intelligence de son époque. La capacité cognitive des gens n'ont pas changé, si tu veux. Je veux dire, compare-toi à Lavoisier. Pourtant, Lavoisier, tu lui montres une montre électronique, le mec se suicide. Il comprend pas ce que c'est. Et pourtant, va discuter chimie avec Lavoisier, enculé. Va voir ce qui se passe. Parce que... et pour ça, donc, l'intelligence n'est pas la même. Oui et non. Dans le sens où l'intelligence est la même, ce sont juste l'environnement qui les entoure et tout le reste. Et le fait d'être au fait de plusieurs environnements, ça permet une transmission et une réalisation et un cadrage d'intelligence à la fois beaucoup plus responsable et aussi beaucoup plus appréciateur. Ça te permet de passer une meilleure vie. Ah, apparemment, attends, les buissons qui sont derrière nous, ce seraient des contenants. Je viens d'ouvrir la carte. Oui, absolument, c'est écrit absolument. Contenu inconnu. C'est juste que pour moi, c'était un piège. Et vu qu'il y avait un mec qui se planquait dedans... Bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ouais, non, il faut looter. Ah, ok. Orchidée. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment des fleurs qui vont nous servir pour les crafts, du coup. Donkey. Violette. Voilà. Je pense qu'on a un petit peu tout pris là, normalement. Ok. Ok, c'est bien. Bah, on aura quelques petits trucs pour les crafts. Attends, je fais juste une petite sauvegarde. Ah non, c'est bon. On n'a rien eu de particulier. Où est-ce qu'il faut qu'on aille du coup maintenant? Il faut qu'on retourne à Caer Kiflen, apparemment. Oui, tout à fait. Il faut qu'on retourne à Caer Kiflen pour aller justement confronter le connard qui nous a donné les fausses infos qui nous a mené à cette embuscade. C'est ça. Une embuscade adorable, certes. Mais du coup, voilà. Donc oui, on a bien eu notre talk de boomer, impeccable. Oui, boomer talk, c'est très important. Essentiel. Faites ça avec vos enfants à la maison, c'est important. Oui, moi, quand j'avais ton âge... Moi, je pense... J'attends le jour où tu diras ça, tu vas voir que non, c'est mais très bien très sûr, drôle. Bien sûr, mais tu le dis. C'est juste que moi, je le dis déjà à mes neveux, si tu veux. C'est juste que... Je pense que ce qui est le plus... Oh, super. Ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte, plutôt que de plonger le gamin dans ta nostalgie à toi, de voir ce qui va constituer la nostalgie du gamin, en fait. C'est avec ça qu'il faut que tu arrives à te brancher. C'est ça. Parce que pour toi, c'est le futur, mais pour eux, ce sera le passé toute leur vie, en fait. Et avec ça, tu peux connecter, sinon c'est chaud. Bien sûr. De toute façon, c'est intéressant de faire le lien. Moi, ce que j'aime bien faire avec elle, tu vois, c'est juste de lui montrer de quoi on est parti et pour arriver à là où elle est aujourd'hui. Ça, par contre, c'est une dinguerie. C'est trop cool. J'ai réussi à mettre ça dans les yeux de mon neveu, le fait que tu te rends compte de la voiture. Cette voiture, qu'est-ce que c'est cette voiture? Peut-être tu lui fais réaliser que ce morceau de plastique, il est fait ailleurs. Il y a des usines géantes, enfin plein de trucs. What's going on? Is that the army in the city? Let's find Summer. I'd prefer to find Karen first. I have to check on someone. I'll catch you later. Hey. Check on who? I thought he had no friends left. Well, he's Brewer, maybe. Du coup, voilà. Et je clorai tout ce débat avant qu'on reprenne le jeu parce qu'on se perd là-dedans.
Il y a Doggy dans mon chat qui dit « Ouais, moi, j'avais internet, mais on a eu internet à la maison que quand j'ai eu 16 ans d'abord. » Et vu la manière dont tu t'en sers, tu aurais pu attendre tes 34, voilà, je me dis. C'est tout. Il fallait juste que je glisse cette insulte et on était bon. Le petit tacle gratuit, c'est pas cool. C'est affectueux. Et effectivement, il est à taverne, ce sac. Eh oui, il est parti. Hein. Iracine ! Je crois que c'était la meuf noire à qui on a rendu une épée. Il couchait. Oui. C'est ça. Greetings, Master Martell. Have you seen Lord Karen recently? Not since the conscription. Conscription? Is that what's happening? I know, it's been in the air, but now... Rumor has it that Gallivan's armies are massing at the eastern border. Gallivan? Why? Ask your friends on the council. They were supposed to keep the peace. Ami, voilà. Ah putain, c'est bien grand mot ça. Et Arwin et Iracine ne nous parlent pas, très bien. On peut pas leur parler, mais ils se sont retrouvés quand même. Ouais, le mec de la du cercle, pas le cercle de Nanantar, mais le mec de l'Empire, le gars en rouge qui nous vendait une matos, a disparu aussi. Oui, il est plus là, je viens de voir, j'étais en train de regarder la même chose que toi. Effectivement, regarde, viens voir sur la place du la grande place circulaire, ouais. Où il y avait la princesse juste avant, et il y a des barricades, 159 000 soldats. Ah oui, effectivement, je vois que le décor a un petit peu changé. Une bonne boule de feu surchargée, là. Un petit peu plus hostile, tu vois. Ah bah, une boule de feu, là... Daliat, what's going on? Well, I'd rather not say. Always secretive. Do we still need to play this game? Oh, hello. Headland Shurspell, what a surprise. Are you two related? He's my superior. Two ranks above. Right. So you two are spies? Such a crude word. We prefer the old name, Silent Whisper. The intelligence service of the Manicallan Empire? Really? Nicer than spies. So what's in there? Nothing, and no one, I'm afraid. I was looking for your acquaintance, Halman Summer. Oh, him? We were looking for him, too. I'm afraid he's gone. Oh, isn't everybody leaving? The Antiquarians and the other Snow Alliance people are pulling out. The Antiquarians are still packing up, though. He sent us to investigate a lead. Or rather, sent us into a trap. I'm not surprised. We had eyes on him, but we lost him. Is he that good? Or he had help. Magical. Sorax? Who knows? What triggered all this? You should really get to the council. They'll tell you everything. Oh, tu pourrais nous faire un topo quand même. Ouais, je suis d'accord. Il est chiant cet espion. Bon. Oui, allez voir le conseil et vous en diront plus. Mais putain, mec, à chaque fois tu nous dis putain, ça, c'est pas sérieux. Par contre, tu remarques que toutes les rues, même devant la taverne ou autre, il y a des barricades et des armes de partout. Mmh. Genre d'ailleurs c'est marrant parce que l'idée des développeurs du jeu pour un siège médiéval, c'est de mettre des barricades partout et de mettre sur des râteliers 1 milliard d'armes disponibles et 1 milliard d'armures disponibles pour tout le monde. C'est-à-dire aussi bien les défenseurs que les envahisseurs en fait. Non mais tu vois, on a voulu rester équitable, tout ça. Non mais leur idée en fait d'une défense de ville, c'est de mettre des barricades comme si c'était Street of Rage où tu sais tu peux casser des tonneaux, ouais. Trouver des poulets dedans, ouais. Et ramasser des tuyaux au sol, tu vois. Exactement, et tabasser les gens avec. Grosse strégie. Hein. Grosse, ouais. Strégie. Hein. La strégie, patron. La strégie. Ah, tu vas pas sur la place? D'accord. Ah, pardon. In Marek's name, you're here. What is happening? Le prêtre. The whole delegation from the Tower of Knowledge. They were poisoned. Poisoned? How many died? All of them. 30-something, but that's not the point. After Dean Fazek accused the Council of favoritism toward the Principality for keeping the crown in Caer Cyfflin. At the Temple of Aenar, which is not affiliated with the Principality. I know that, of course. Yet soon after, we all ate at the same table, but the Tower delegates died in their sleep. Of course, Gallivan took it as an attack by the Principality. But that's why the Tower's on the Council, and not Gallivan's government. To avoid exactly that. You think I don't know that?
This is real politics, my friends. Diplomacy is dead. So the Legacy Council was a sham all along? No. It was a real, honest effort to maintain peace. And it failed. We're not at war yet. But Galavan's massing troops at the border. Bad news really does travel fast. Anyway, pressure is growing for the princess to intervene. Her? How? Not as member of the council, as head of state. But tell me, where were you now that your quest is, well... Chasing the Sorax and their pawns. Unsuccessfully. Halman Summer might have been one of them. What? The man was... I mean, I dined at his mansion recently. He... Where? Where what? A mansion? He told us he lived at the Snow Alliance Embassy. No, his family has a mansion in town. Oddly, it's right next door to the Circle of Danantar's headquarters. We need to go there. I might need you when you're done with this errand. Huh! Comme par hasard! Donc c'était le mec en violet, le traître! Si tu vois ce que je veux dire. Par hasard! Si tu vois ce que je veux dire. Ils ont même mis des lances, des armes et des caisses remplies de haches dans le gazebo, si tu veux. Genre, ils les ont mis à l'ombre. Je veux dire. Non, mais t'as vu, ils les ont mis à l'ombre. Ouais. Oui. Genre, le livre service, incroyable. Oui, mais tu sais, voilà, il faudrait pas que les épées chauffent au soleil, tu vois. Bien sûr. What the fuck. Même. Alors, attends, du coup, il faut qu'on aille la maison d'Allemagne. Où est-ce qu'elle est Regarde, pourquoi ils ont fortifié cet endroit? Avec la giga statue. Regarde ça. Machin, c'est un entrepôt d'armes. Mais oui. Mais pourquoi? Cet endroit n'a rien de stratégique. Il ne sert à rien. Au cas où ils doivent se replier, voyons. Mais se replier dans un cul-de-sac? Mais oui. Mais... Pitié. Pitié, pitié. Bon, attends, où doit-on aller? Il faut qu'on aille au manoir du gars, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. À donc, côté du cercle de Danantar. Attends, ambassade de Galivan, place Solombraz, quartier du Temple... Là, je l'ai. Ah, je vois pas où c'est. Suis-moi. Ok. Voilà, place centrale au sud des magasins, qu'on a l'habitude de fréquenter. D'accord. Il y a une espèce de petite fontaine carrée au centre. Voilà, on y est presque. Ok. Ma chérie, ah oui, ici c'est la guerre, mais la guerre magnifique. Je veux des armes, voilà, ça fait beau. Putain. Is that it? Nothing to say this is Halman Summer's residence. Not bad for a secret home. And close to official buildings. Who would suspect anything? Let's go around. Maybe find a window and get inside. We should obtain a warrant. We're past that, don't you think? Since I intend to kill him, I believe we are. Putain. Come on. They're all preparing for war. No one's paying attention. C'est la prêtresse de la vie qui dit ça. On est d'accord, que c'est la Claire qui vient quand même de dire qu'elle allait le buter. C'est ça, c'est l'image, militari, quoi. Le mime internet. Eh bien, je suis une soigneuse, mais tu sais, elle sort un putain de flingue. Well, I'm a healer, but... Voilà. Ok. Maison d'Allemagne Summer, attends. Et, par contre, effectivement, hein, sympa sympa la coquille, hein, cossu. Hein. Mm-hmm. Hein. Tu veux qu'on se mette en discrétion ou pas? Fair enough. Ok, étage, toi d'abord. J'arrive. Quelque chose de rouge qui brille là-haut. Ok, ça sent la pièce. Ah oui! Regarde le
le petit charnier là. Ah, personne ne s'est personne ne s'est plaint de l'odeur. Ah, c'est ce que j'allais me dire en fait, justement, je me disais tiens. Parce que un être humain mort, ça sent vraiment mauvais les enfants. Is insane. Truly a den of madness. Holy Marike. Einar, protect us all. In the middle of Caer Cifflin? How could they? Dissimulation is their creed. This ends now. Let's kill them all. Maybe they have the gems. La soigneuse toujours chaude. Bon, mais ça finit maintenant. On les tue tous. Non, non, non. Maintenant, tu vas voir les dirigeants un par un. Tu les traînes par la peau du cou et tu les amènes ici. Voilà. Et quand ils ont capté que quelque chose de pas normal se passe, là, ils arrêtent de mettre fin à leur espèce de petit conflit à la con parce que les gens ont été empoisonnés, mes couilles, Mickey, je sais pas quoi. Et ils réalisent qu'on a littéralement Dachau dans le manoir de... je sais pas qui. Tu vois les petites mouchettes et tout, oh là 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 là. Le seul truc, on peut... Des cafards au sol et tout, le seul truc qu'on peut apparemment... C'est interagir avec cette table ici à droite. La dernière fois que j'ai vu un charnier pareil, c'était en 6ème, durant le cours obligatoire sur la Seconde Guerre mondiale. I know oh, that face. He was at the Gravekeep's cask. They're all from town. Corrupted by the Sorax. For years maybe, they were preparing. There's a ton of paperwork here. A lot's been burned though. No sign of the gems. Look at this, a map of the Badlands. What are these places? Everywhere we've been, and some other places. Une piste. The gems, all 8 of them. 8. And this? Ça passe. Probably the location of the rift. It's in the Air Alai, the heart of Manicallon, where the capital was. There's a whole book of names here. Some are marked converted, some resilient, and some prospects. We must take this to the authorities. There'll be civil war if we do. People will kill their neighbors. War is coming, whatever we do. Mm-hmm. Hmm. Bon. Eh ben, fantastique. Excellent, le scénario vient nous sauver et Alors je te dis pas, n'empêche l'odeur de la carte, parce que bon, faut savoir quand même que quand vous êtes dans des endroits comme ça, c'est une odeur qui s'imprègne partout, quoi. Déjà ça, mais surtout, ce que les gens pensent, c'est qu'ils pensent à la chair qui se décompose. Mais c'est pas ça le pire, parce qu'après tout, de la bidoche qui se décompose dans une poubelle à grande chaleur, c'est pas le plus grave. Non, c'est le contenu des intestins surtout. Oui. Voilà, les gens ne s'attendent pas à l'odeur de merde absolument omniprésente qui sort de partout. La pire haleine que tu puisses avoir d'entre tes gencives, en fait. Mais surtout le corps. Je crois qu'on n'a pas d'autre choix de toute façon que de sortir. Mmh. Apporter les documents à Karan. Mais c'est vrai que tu rentres dans un truc comme ça, déjà, en fait... Je veux dire, t'as même pas besoin de passer la porte pour... ça doit être... Non mais de l'extérieur, irrespirable, surtout. Irrespirable. De l'extérieur, tu sens déjà le renfermer quand t'es à l'extérieur d'une propriété, si tu veux. C'est ça. Alors là, un charnier pareil, normalement tout le cadre... Ou alors peut-être ils vivent tellement dans leur crasse de manière médiévale. Ouais, c'est pas impossible non plus. Hein. Ouais, mais non. Il y a une différence entre entre une meuf d'Asie du Sud-Est qui connaît pas les douches et qui pue de la gueule et un cadavre à ciel ouvert, si tu veux. C'est pas... Il y a une différence, tu vois. Toujours dans la subtilité. Bah... Toujours dans la précision des comparaisons. Hein. L'important dans les métaphores ou les... C'est vrai. Ou les comparaisons, c'est l'exactitude de l'image. Hein. Alors, ils utilisent des sorts de dissimulation d'odeur parce que ta gueule, c'est magique. Ah, you know what? Fair enough, ouais. Alors, il fallait qu'on aille voir... Caran, il faut qu'on retourne apporter... Caran, ouais, c'est voilà, au conseil des legs. Téléporte-nous, si tu veux bien. Ouais, je vais faire ça. Ouais, parce qu'à un moment donné, ça va bien, là. Hein. Et... Je mets ce petit speedrun à chaque fois. Lord Caran. This isn't a good time. We're aware. The city's full of Sorak pawns. Surely, you exaggerate. Here, a list of all those under, or soon to be under, Sorak influence.
What? Where did you find this? Halman Summers' mansion. He was one of them. Ah, il a mangé dans le... Can't believe it. All this time. There's more. Everything suggests that the Sorax have the missing gems. They had a map showing everywhere we found gems, plus two other places. Maraiki's massing. We must convene the council, but this really isn't the best time. The Galavan situation, I suppose? All the city's clerics are working to resurrect the victims. I hope it's enough. More than 30? That's a lot of diamonds and clerics. We didn't really have a choice. The crown is going to pay. What? The envoy from Galavan was adamant. The princess took command of the situation and told him Masgarth would pay to resurrect their people. So why the troops at the border? Let's call it an incentive. Everything should be fine then. The principality resurrects the poison victims. Galavan withdraws its troops. Let's hope so. We don't have any idea who's behind this. Though your little book of secrets here might help us with that. So the principality is still drafting soldiers? To defend the city. The army left for the border as soon as we heard about the threat. So much for confidence. Smiles work better if you have a sword at your side. Don't tell me you're resurrecting Fasek. How much is that? 1,000 gold pieces? I know what you're going to say, so don't. And someone must pray for his soul, imagine that. Marshal Sunblaze is taking care of the senior delegates personally. Wait a minute, where is this happening? In the Temple of Einar. You've been in their dispensary. Wait, you don't... They died. You think they'd stop at that? More than 30 possible traitors in the most protected temple in the Principality? Close to the crown of the Magister. No. No, no, no. What are we waiting for? Quel génie! On se le demande! Quel génie! Ah, alors? Les Sorax s'auto-suicident pour se faire résu juste là où se trouve le caillou. Mais oui. Ça, par contre, c'est bien. C'est good plan. Enfin, good plan, faut mourir, mais... Effectivement. Bon, et ben il faut qu'on se prépare. Non, Fufu, ben non, pas Fufu. Il faut qu'on aille discuter avec le Palouf. Et lui dire poliment qu'ils sont en train de ressusciter les traîtres qui s'apprêtent à les poignarder. 30 d'entre eux, d'ailleurs. Trop tard. Ouais, donc vas-y, charge. Bonjour. Marshal. Greetings, friends. Where are the delegates? In the dispensary. What's going on? Are you all right? I just cast a resurrection spell. Forgive me. It is rather draining. Wait! Feeling good, dead people? On va même pas leur poser la question, let's go! On va leur latter le cul! Oh, je commence! Oulalalala! En plus, ils sont à poil, vas-y, fais-toi plaisir! Combien ils ont de PV? 32, ils valent pas grand chose. Non, mais bon, on sait jamais, tu sais, ils peuvent muter en Sorak et du coup prendre un petit peu. Ils peuvent muter en Sorak? Bah, tu sais, ça c'est déjà arrivé quoi! Du coup, ils ont un petit peu changé de... Mais vas-y, hein, crame ce que tu peux cramer. Le problème, c'est qu'ils sont un petit peu dispersés partout dans la pièce, mais je te laisse. Les petits projectiles magiques trouvent toujours... Non, non, regarde. Conjure Elemental. Oh. Voilà, qui devrait... Ça, quoi. Faudra qu'il... Voilà qui devrait les occuper. Je vais sous couverture. Hop. Ok, alors... La réalité, pourquoi je fais ça, c'est surtout pour leur donner une cible. Si tu perds le contrôle dessus, il va se retourner contre vous, Bob. Mais j'y compte. J'ai l'intention à ce qu'il se retourne contre tout ce qui existe, en fait. Ça fait un ennemi en plus. Il veut lancer le sortilège de vol. Je peux le counterspell. You know what? Tu n'iras nulle part. Bap. Mais... Non. Juste nope.
Il est à portée, oh là là. Je peux le poignarder ou pas? Fuck, je peux pas le poignarder. Mais il y a un escalier devant toi, donc normalement... Non, il est pile pas à portée. Ce que je vais faire... Infiltrateur Sorak. Ouais, ce que je vais faire... C'est commencer à poignarder ce gars. Vas-y. Oui, Succès critique. Et de 1. Il est mort. C'est l'élémentaire de jouer. Il joue tout seul. Boum. Ah, ok, d'accord. Il met des petites tartes à 10 quand même, hein. Mmh. Ouh là là. La petite tarte atteint, mais surtout, il les occupe. La petite gifle bien comme tu il faut. Tu peux atteindre le sorcier en face? Ouais, je vais essayer. Juste, je vais me buffer. Aina, Ivo, Veribe. Il a un nom, hein, Mordenkir, je sais pas qui c'est. Ouais. Protégé. Waouh, il a cast shield. Il a counter shield. Oh, c'est des dégâts outranciers. C'est ça, occupez-vous. Il est remords, oui, c'est ça. Elle a tenté de te pousser. Ah oui, et ça a échoué, lamentablement. Bob, si je me souviens bien, les reptiles respirent par la langue. Du coup, ça expliquerait pourquoi personne a capté pour le charnier. Tout le monde respire l'odorat par la langue. Si t'avais pas de langue, t'aurais pas d'odorat. That's the point. Oui, on va. Alors, petit magic missile. Et je ne vais pas viser celui qui a ton cac. Comme ça, tu vas pouvoir le saucer. Je vais commencer à infléchir ces gens. Allez, un point de dégâts forcé. Insensibilité aux projectiles magiques, j'avais tort. Ils sont insensibles à la magie? Juste le moderne Kyr. Juste le boss en fait. Ok, alors attends. Je pense que c'est parce qu'il a son bouclier magique. Ouais, il a le bouclier magique. Ouais, je vais le taper en physique. Vas-y. Pardon. Ah, le sale petit connard. Il crame. Ma stratégie marche. Ouais. Et il est mort. Il est mort avec ton. Et voilà. Ton champ de protection. Hop, félicitations. On va lui en caler une. Ça touche. Ouf. Ça touche bien. Ouais. Assez miraculeux parce qu'avec un 12, ça touche. 32 quoi. Oh, bien. Il met quand même des sacrées patates, hein. Ouais, je me suis rendu compte... Des petites patates, mais des patates un peu vénères, quand même. Je me rends compte qu'il y a un défaut à ma stratégie. Joli, ça l'a tué. Tu lui as fait plus de 60 de dégâts, Jesus. Il reste... 63 de dégâts. Victoire. Voilà. Et donc, nous avons un problème subséquent. Je ne sais pas conjurer un élémentaire. By Aenar. Ah. Sorak agent. In the temple. Where's the crown? Take this key. I can't run. Follow the light. Let's go. Je vous laisse en présence de l'élémentaire. Hein. Je vous reprenez votre souffle et vous le gérez. Hein. On vous laisse avec notre pote. Ouais, c'est ça, on vous laisse gérer la situation. Et bah, il faut ouvrir. Allons-y. Je passe en mode prudence en espérant que ça me donne un avantage quelconque. Ouais. Non. Improbable. On va voir. Ok. On est téléporté de toute façon. Ouais. There. It's gone. Shit. Here. A secret passage in the middle of the temple. How did they miss that? Doesn't matter now. This is ancient, from the first centuries after the cataclysm. No time for a history lesson. They went this way. Bon bah, let's go. Okay. Allons-y.
J'avais pas payé pour le passage secret sur le devis quand même. Maintenant il faut qu'on récupère les couronnes, la couronne, et puis qu'on voit si est-ce qu'ils ont été récupérés du coup les gemmes de leur côté ou... The city's imperial gate. They're here. They're trying to get away with the crown. Protector. We failed. They got away with it. No. They must not destroy the gate. There's too many of them. Come on, fight. Alors ils sont trop nombreux. Moi j'ai dit qu'il y avait un coffre qui brille. Moi je vois qu'une un sort de boule de feu bien placée. Look. The princess? Come on old lady, time to show off. One day, Arwen Merton. Oui, les angles de caméra, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est un dragon? C'est un dragon. C'est une dragonne. Look at me like that. Your Royal Highness. Thank you is what you're looking for. Thank you. They took the crown. Is this evil god coming? I suppose that's their plan. Can we follow them? There's no way to know where they're gone. There are so many gates. Close to the rift, right? Where it all began. No one knows exactly where the rift was. In the air, Ally. Near the capital of Manakallan, but it's a vast area. They must have scouted it and found a teleporter nearby. So, we're doomed? We're under attack! What's going on? Sleeper agents! Everywhere in the city! Are they so powerful, the Sor-Akath? Your Royal Highness, we found this in Halman Summer's chambers, magically concealed. Do you have any ideas? This is Sunset Peak, south of Air Ally. I recognize this tower, or what's left of it. There's a gate not too far away, but who knows how the place looks like now. We're running out of time. If there is a chance to stop them... They don't stand a chance against you. Alas, I cannot go into the Badlands. What? Why? Long story short, it would kill me faster than any dark god. There's no time to explain. You have to trust me. Only you can save Celesta now. Us? What about all your heroes and all? Marshal Sunblaze is weakened from casting resurrection spells, and so are most of his clerics. Oh, they planned this as well, didn't they? All my best fighters and spellblades are on the border, and Protector Keen is not what she used to be. Merton, you coming? He's staying with me. Kaer Kiflin is on fire, its streets full of Sorak pawns on a murder spree. The Crown needs you. I felt it from the beginning. Kaesen Axe's spirit calls for you to save him from the darkness. The Magister? You knew him? You're too curious for your own good. Me! So, Merton staying. Can't say no to a princess. Especially that one. Fine then. I can only give you a few trinkets to help you in your endeavor. Oh, and my blessing. We will prevail or die, Your Royal Highness. You're definitely the best crown head around. To think that you knew the Magister. I have so many questions. Einar will be with us, Your Royal Highness. You should rest and prepare yourselves. Sleep? Now? There's no time. You really should start admitting that you don't know everything. Rest now. Time will wait for you, I promise. I will speak the words that will activate the gate to Sunset Peak. When you are ready, step onto the gate and fulfill your destiny. Mais il y a un coffre. Vous savez vraiment rien à rien, hein. Putain, mais elle m'a... Stop time. This is unnatural. I won't be able to sleep now. You know what's at stake. We'll need to be ready for anything. Bon, et ben... Il y a un feu de camp, du coup. Et ben... On peut dormir. On a des sacs de couchage, profitons-en. I guess. Peut-être. Attends, deux secondes, je fais une petite sauvegarde. Hop. Vas-y.
Voilà. Et on peut faire un petit repos long. Par contre, j'aime bien la meuf. Vous êtes trop curieux pour votre propre bien. Mais non, mais donne-nous des infos. On essaie de sauver le monde, connasse. Plus on en sait, mieux ça se trouve. Et derrière, vous devrez vraiment commencer à admettre que vous ne savez rien. Mais oui, parce qu'on fait que de poser des questions et que tu réponds pas. I swear to Christ. Ouais, tu vois. Ouais. Ah là là, ce genre de bonne femme. Au secours. Au secours. Bon, j'enlève porte magique. Et puis c'est pas une bonne femme, c'est un dragon. Et ensuite, je prends fou rire. C'est vrai. J'ai sauvegarde sagesse, ouais. Hop. Ouais, ça va. Regardez mes spells comme ils sont. Ne me fais pas un 2016, s'il te plaît. On va voir. Impeccable. J'ai remplacé le portail magique par fou rire au cas où on tombe sur un sorcier. Ok. Voilà, pour se sauver de fou rire, faut faire un jet de sagesse. Or, les sorciers, normalement. Ok, profitons du coffre. Je suis en train d'aller ouvrir le coffre. Oh, le loot. Ouais, alors, j'ai rien ramassé du tout. Je vais juste laisser regarder ce qu'il y a dedans. Je te laisse apprécier, bien sûr. Écoute, je te laisse prendre. Merci. Et distribuer, voilà, selon. Mais il fallait que tu jettes un œil. Ah oui, non, c'était joli, c'était brillant. Ah, c'est une scène à la Marvel, tu sais, où. À toi l'honneur, tu sais, t'ouvres le coffre, ça brille, et là tu fais. Oh, faut que tu regardes quand même. Hein. T'es sûr? C'est le travail de toute ta vie. Ouais, mais jette un œil, tu vois. Alors, anneau de vision dans le noir. Très bien. Arbalète lourde plus 2. Excellente nouvelle pour Elvira. Cimeterre plus 2. Bof, mais c'est une arme... Oh, c'est une arme à finesse. Je me demande... Non, il me semble que... Par contre, c'est une arme de guerre. Donc non, John de Bipin ne pourra pas l'équiper. Il ne peut prendre que des rapières. Flûte terrifiante. On s'en fout, mais ça vaut 3000 balles. Arnois plus 2. CA définie sur 18 plus 2. Sur 20. Force minimale 15. Eh, on a une grosse armure pour le cléric. Armure de peau, intermédiaire plus 2, oui. Tout pillé. J'arrive, voyons voir donc la répartition. Alors déjà, voilà une arbalète lourde plus 2 pour Elvira. Okay. Ça lui fera déjà beaucoup de bien. Ensuite, voyons... Ah, ne maîtrise pas cet objet, ne peut pas s'en équiper. Ah bon? L'arbalète lourde, elle peut pas... Ouais, c'est une arbalète de guerre. Qui peut gérer arbalète lourde? Peut-être Crystal, du coup. Je pense qu'elle a arc, alors attends, je regarde juste ici. Je peux pas voir. Ok, 20, 18 plus 2, ici on est sur... Oui, d'accord. Oui. Oh là 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 là, regarde la tête d'Elvira là, elle est partie pour la guerre. Ça y est, ça pardonne plus. Ah, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'elle porte, Crystal, Lesa? Eh, c'est 20, 18 plus 2, Arnoine, hein. D'accord, c'est comme une armure plus 2, c'est juste qu'il est nain, donc machin. Éventuellement, tu peux les inverser. Hein. Je regarde ici, arc long, arme de guerre, elle peut, ouais, arbalète lourde, voilà. Et à 20, bonus d'attaque, alors ouais, la portée est un peu plus courte quand même, mais bon, de toute façon, en ouais, général... Vois si tu peux inverser leurs armures aussi pour le style. Ah ouais, pas de munitions valides, c'est vrai, ouais. Parce qu'il est mon arc. Il me faut des carreaux, du coup. Des carreaux. Alors, on en a des carreaux, TKT. On va te donner ça. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je peux en donner juste quelques-uns à Crystal. Et je vais regarder pour inverser les armures. J'avais tort, je n'avais que des flèches sur moi. C'est pas grave. J'ai des carreaux d'arbalète sur Elvira. Ah, si, j'ai des carreaux enflammés, tu sais quoi. Hop, poup, c'est donné. Ah, elle a pas d'armure, on la voit en t-shirt, incroyable. Oui, je sais, c'est parce que je suis en train d'interchanger. Avec les armures mutuelles avec de chacun. Avec les armures, ouais. Attends, pourquoi est-ce que ça me met... Ça s'échange les slips. Exactement. Donc attends, ici, j'ai ça. Et où est-ce qu'elle est son armure? Elle est ici, Arnois Nain. Si je le donne à Elvira. Des avantages en discrétion, on s'en fout. Voilà, du coup, elle, je peux lui mettre celui-ci. On est à plus de 7. Voilà, et. Force minimale. Ok. Très bien. Et on va donner celui-là à Crystal. Voilà, hop. Ok, au niveau des armures, ça c'est bon. Arbalète, c'est ok. Des carreaux.
Je vais remplacer les carreaux par les flèches par des carreaux, carreaux d'arbalète x3. Ouais, je vais mettre les enflammés ici. Ok, ça me semble pas trop mal. Je vais mettre l'armure d'écaille là. Celui-ci est l'armure de nain. Ouais, pour une elfe, bizarrement. Le plastron est un peu trop grand pour elle. Tu sens qu'elle baigne un peu. Mais voilà. Et à l'inverse, tu sens que Crystal est bien serrée elle dans est son un armure, petit peu tu serrée, vois. Tu vois. Mais... elle est passée d'un 40 à un petit 38, alors c'est un peu plus moulant. C'est pas grave. Pas le plus moulant, mais voilà. Ah, c'est à se demander si on ferait pas la disposition inverse du coup. Mais j'avoue que le casque à crête, c'est Kaïs. J'ai envie de dire réinverse. J'ai trop pris l'habitude de Crystal dans son armure verte. C'est le même niveau de protection de toute façon. Il peut plus. C'est pas possible. C'est dommage hein, parce que le style était là. Hein. C'est juste le clair, la clérique en armure moulante, Crystal en espèce de gros bibendum de Gundam. C'est parfait. Ouais, c'est bien. Ça lui va. Elle a le coffre pour porter. Comme ça. Écoute, good enough. Parfait. Et ben vendu. Et ben c'était pas du matos de merde finalement. On a trouvé et l'armure et une arbalète lourde, mais pas de chance. Ouais. Chose qui arrive. Et au niveau de l'arme, tu as pris alors tu as J'ai une pris arme le cimetière et malheureusement c'est un cimetière plus 2. Nous ne pouvons rien en faire. Et le reste c'est une flûte magique donc on en a rien à foutre. Je l'ai équipé à demi-pinte, la flûte magique, on sait jamais s'il peut jouer du pipeau. Mais quant à l'armure de peau intermédiaire plus 2, la seule personne qui pourrait la porter c'est Elvira et c'est de l'armure intermédiaire, donc elle a aucun avantage à le mettre à part du lourd. Donc prenons le téléporteur, allons-y. C'est une flûte, c'est pour les bardes, ça va te servir à rien, Bob. Oh, ta gueule, on fera du pipeau avec, ça va être marrant. C'est du pinaillage à ce niveau-là, absolument. Look at that. The heart of the Badlands, almost the epicenter of the cataclysm. There's nothing left of the old empire. All right, people. We're not here for the view. This wind, it's not natural. It's a mana wind. We can't use magic to get across. So falling would be a bad idea then. We've been through worse. Ok. Mais non mais Bod, la flûte est pour les bardes. Je sais, ça veut pas dire que j'ai pas le droit de m'équiper d'un pipeau si ça m'amuse. Et regarde, je peux même m'en servir. Eh, les bardes, mon cul, ouais. Impeccable. Alors, par contre, comment on va ne pas mourir en fait? Donc on peut pas l'utiliser. On peut pas la traverser avec vol, j'imagine. On peut pas utiliser la magie pour le traverser. Qu'est-ce qui se passe avec les yeux des bonhommes? Je pense que c'est une histoire de réflexion, en fait, dedans. Il doit y avoir un petit bug d'affichage. Oui. Bon, bah, j'essaie de traverser, on va voir ce que les protagonistes se disent en termes de chemin. On va voir ce qui se passe. Je pense qu'il y a moyen, quand même, de descendre, enfin, physiquement parlant, vers le truc, enfin, voilà. Et bon, c'est réussi. Quant à savoir où ça mène ensuite... Ah, merde. C'est pas grave. J'étais pas prête. What kind of creature lives in a place like this? You got it. Fire spiders. Ah! Combien y en a-t-il? Avec un élémentaire de feu en prime. Ouais. Et je joue en dernier. Aïe. Qu'est-ce qu'on a à proximité? Un élémentaire, une araignée. Là, il va pouvoir quand même atteindre Archibald. Je vais mettre une bulle de protection autour de nous avec Elvira dès que ce sera possible. D'accord, tout le monde a chu moi, en fait. Moi aussi, s'approche. Ouais. On est tous aplatis par terre sauf John. Mm. Il va commencer à poignarder ce truc. Vas-y. Je fais pas tant de dégâts que ça. Oh bah, c'est déjà mieux que rien. Ouais. Si, tu lui enlèves quand même. Ouais, hein. Ouais, mais pas autant que d'habitude. Oui, c'est pas foufou parce qu'on est sur un élémentaire, mais ouais, bon. Bien sûr, ils vont ça tous attaquer Archibald au sol. Raté. Non, c'est bon, il esquive. En plus, il est dans la position de la soumission, là. Ah, il a quatre pattes. C'est l'heure de l'oviposition, mon gars. Mets-toi en position. Hein. Ok. D'accord, ok, j'ai Elvira qui est up. On va mettre un petit sort. Mettre un petit boubou. Boubou en 6. Allez, c'est parti.
Maraike Honjo Viribe. Super. Voilà. Ok, 35 radiants sur l'élémentaire de feu. Il a pris un peu. C'est l'élémentaire de jouer, un petit lag. Raté. C'est bon. La petite claque qui est passée à côté. Il en a une deuxième. Il en a une deuxième. Ouais, une deuxième. Raté. Esquive aussi. Belle esquive de demi-pente hein, quand même. On est bien, on est bien. Le mec esquive du feu. Je sais pas comment il fait, mais... Ah putain, il vole. Oui. Oui, forcément, oui. Ok, une araignée. Ok, elle prend plus de dégâts qu'elle en inflige pour l'instant, donc ça va. Aïe. Tout va bien, tout va bien, nous n'avons rien. Elles vont se tuer sur le shield si elles continuent comme ça à venir. Yep, yep, on pourrait même passer un tour à garder. Hein. Mm. Bon, attaque. Je vais attaquer, attends, j'en choisis une. Où est-ce qu'elle est, Christelle? Ici. Ok. You have them now. Oui. J'aurais pu me buff avant, mais c'est pas grave. Et de deux. Let's go. Alors, que faire, que faire, que faire? C'est vrai que j'ai cône de froid. Le problème, c'est que ça me paraît un peu excessif. Soyons sincères. Ah, quoique, you know what? Bien placé, ici. Tu peux avoir les deux? Ouais, je pense que oui. Et sans toucher demi-pinte. Allez, Hadouken! Joli. Ouah, je l'ai gelé! Il y en a un qui est mort. Et l'élémentaire est quasi mort. Il va mourir sur ton bouclier comme une merde. Je touche plus. Ouais, tu sais quoi? Tu peux attaquer la petite araignée. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Ça touche. Ça touche. Bien joué. Impeccable. Fin du tour. Ok. Avec Elvira, je vais juste aller lui mettre un petit coup, voir si ça va toucher. Si au pire, il prendra les dégâts après. Très bien. Need to hide here. They're not paying any attention to us. What are they doing? Dropping gigantic bones into lava? Why? They're not just any bones. Those are dragon bones. How many dragons died here? Remember what the princess said. This place is deadly to them. There's no other way. We need to get up there. Without being shot at, preferably? Pourquoi tout est toujours en rapport avec des dragons, je vous jure. Alors... Il y a du loot. Chute de lave, ossuaire. Et 1, 2, 3, 4 sauriens Sorak sur la map. Alors, il y a moyen peut-être de grimper, escalader la montagne. Attends, est-ce que toi tu as... Attends une seconde, il n'y a pas la marche... Pardon. Si, si, vas-y, vas-y. Non, t'as raison. Ici, et là, normalement, on devrait pouvoir pousser le caillou pour pouvoir avancer. Ok. Nickel. Là, tout va bien. Et maintenant, la suite. Je ne sais pas si... Est-ce qu'Archibald peut monter ou pas? Je vais essayer. Au pire, j'ai sorti. Mais il faudrait que tu le fasses l'éviter. J'ai le sortilège de vol, ouais, au pire. Du coup, ce serait bien et intéressant qu'on réussisse à avoir une attaque préemptive ou à se placer intelligemment par rapport à ça. Du coup, regroupons-nous et mettons les buffs qui vont bien.
Alors, premier buff. La cape de l'arachnide augmente la discrétion max de tout le monde pendant une heure. Déjà. Premier buff. Ensuite, qui peut marcher sur les murs? Pas. Crystal peut, mais pas, oui. pas Elvira. Très bien. Quel autre sortilège j'ai pour booster? Je pourrais faire voler Elvira. Dans ce cas, il faudrait que je me mette dans une position avantageuse. Ou invisibilité supérieure pour Archibald. Alors, combien de temps ça dure? 1 minute. Donc, pas très longtemps. Question subsidiaire, il faut pousser ce rocher, sinon on peut pas passer. Voilà, et là on peut passer et les attaquer en embuscade. Ok, petite sauvegarde. Voilà, et on est en méga discrétion. Du coup, plutôt que de mettre une invisibilité, contre-sort non, vol non... Bannir. Non, ça c'est pour bannir créature. Mur de feu et tentacule. Rayon solaire. Éclair supplémentaire en chaîne. Eh ben écoute, avance tes gens jusqu'à devant les rochers là. De manière à pouvoir sortir et les attaquer le plus vite possible. Là je pense que je suis encore hors de... Oups là. Pour l'instant ça va. Là, je tente d'approcher de mi-pinte. Attention, ils vont venir vers nous. Il faut reculer. C'est trop tard, on est vu. Non. Toujours pas, regarde. On n'a pas été vu, putain, c'est incroyable. C'est bon. Je vise, j'attends. Je vais ouvrir la danse. Dès qu'ils seront bien rassemblés, ils vont l'être. Attention à pas te faire repérer. Ouais, je me mets juste à l'angle. J'ai juste un éclair, éclair en chaîne. Vas-y. Dès qu'ils sont à portée les uns les autres. Let's go! Chain Lightning! On a tous pas l'initiative, mais c'est pas grave. Prumps! Zap! Oh là là! Joli! Ok. Et ils savent pas qu'on est là. Ouais, on est encore invisible pour l'instant. Hop! Donc je me mets en couverture. Vas-y. Mais j'ai pas réussi à toucher le saboteur, malheureusement. C'est pas grave. Surpris. Ils vont de toute façon perdre l'initiative hein, parce on qu'ils sont surpris, donc ouais. C'est à John. Du coup, si tu peux l'approcher discrètement du saboteur pour lui mettre un coup de dague, bon, tu seras vu par contre. Hein. Non. Sauf que si je tu vais veux faire, la jouer autrement. C'est monter là, prendre mon arc, viser. Vas-y. Et je peux pas le toucher, tant pis. Qui puis-je viser en vrai? En vrai, je peux viser personne. Jesus. Apparemment, trop loin je peux viser personne. Ruse, c'est pas grave. Ruse, foncer. Là, c'est bon. Je peux utiliser la ruse pour me décaler. Et l'attaquer, je l'ai. Vas-y. Nice. Tiens. Oh là 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 là. Nice. Qu'est-ce que c'était beau, ça. Alors, par contre, moi, je vais pas trop avoir le choix. Je peux essayer de te décocher un truc à l'arbalète, mais je te promets pas des résultats fulgurants avec Crystal. Hein. It's ok. Tu sais bien que... Tu sais bien que cette femme a des petits problèmes. Ouais, de moi vue. Je dis avec Elvira et Crystal, mettez-vous en bas, alignez-vous, tu vois. Tu vois que je la il faut que tu montes encore, voilà, nickel, super, là t'es bien là. Ok. Tu veux que j'essaye l'arbalète? Ouais, aligne avec tout ce que t'as. De toute façon, tant pis, okay. ça touche pas. Et d'ailleurs, l'arbalète, il me semble, c'est force, hein. L'arbalète ouais. Lourde. Donc t'as toutes tes chances de toucher, un. Hein. Tu vois une. Ça touche! Ça touche! Bon, il t'a vu. C'est pas grave. Ok. Finir le tour. Elvira, maintenant, il va falloir que je la mette en bas. Si je la mets en hauteur, elle aura pas de visée. Ouais, elle aura sur... pas la visée, ouais. Mais là, à gauche, là, ouais. Je vais la mettre ici. Les armes à distance, c'est Dex, sauf les armes de lancer. T'es sûr, il me semble que l'arbalète lourde, c'est pas Dex, hein, c'est force. Je vais. Ah bah, de légère, je lance Dex. Quoi? Sport ou. Je lance un petit sort? Non, ouais, tire. Parce que l'arbalète, tu sais qu'Elvira, c'est pas ça qui a main. Tiens. Ah, ça touche. Ça touche, mais il a survécu, il lui reste un PV. Bon, bah, ça va. Bon. Ça va, un PV. Ça va aller. Je dois avoir un cantrip. Alors, arbalète, c'est Dex, on dit. Toutes les arbalètes, d'accord. Il n'y a pas d'armes distance force, on dit, à part les armes de lancer. Bon, tant pis.
Jet d'acide. T'as touché ? Non ? Bah alors. J'ai jet d'acide. Vas-y. Non, attends, ou boule de feu, allez, bon, la bonne vieille. Ça faisait longtemps. C'est vrai. Boop. Voilà, très bien. Voilà. Ok. On a nettoyé la zone. Magnifique victoire, ils ont rien vu. More dragon bones? That's really what they were doing. Cleaning up the place. They were destroying the bones. How do you know? The bones are a threat to them. I don't follow. These are the remains of the masters of the Arcanaeum. Dragons? All of them? The Master of Abjuration was no exception. They were all dragons. Even the Magister. And his bones are among those. Mm. I thought I felt something, but... Definitely. We need to search the bones. Ils me disent dans le chat, ça fait très Dune le petit bug qu'ils ont sur les yeux. Bah oui, écoutez, ce que vous voulez que je vous dise, on est possédé un petit peu. C'est stylé, hein, si t'as ça, si t'as les yeux de Libad, c'est quand même classe. Hein. De l'argent, un parchemin d'identification, ça sert à rien, mais voilà. Et voyons voir. Je les remets en de prudence. Il y avait des os avec lesquels on pouvait interagir juste ici à droite, tu vois. Ah oui, on peut interagir avec tous. Bah écoute, fais. On va voir, peut-être qu'on va trouver quelque chose dedans. À part désacraliser des corps. Rien ici, passons au prochain Tados, ok. Que dalle. Peut-être qu'il y a des gemmes hein, dessus, on sait pas. Ce serait ouf hein, quand même, hein. Ce serait assez facile, hein, je trouve. Ce serait facile, mais en même temps... Oh, une dent dragonique. Here. A tooth. It calls to me. Ah. Let me touch. Did you hear that? I did. He wants to touch the crown. The tooth? Just one little tooth? That's why the Sorax want to destroy the bones. What will happen if we succeed? Let me touch my crown. There's only one way to find out. Elle parle bien pour une dent, j'avoue. J'avoue, ouais. Mais excellent si c'est le comment ça s'appelle, une dent du dragon du magistère. Peut-être une dent du magistère, ouais. Ouais. Mmh. On se met bien. Et ça répond à pourquoi la connasse connaissait le magistère d'avant. Si c'est son pote le dragon, ça se trouve ils ont couché. Bah drama, peut-être. Le drama. Le drama dragonesque. Ah le drama. Alors, tu vois le magistère, je l'ai vu, il est sorti de la chambre. Non, après tu reviens et t'es là, princesse. Nous souhaitons vous offrir quelque chose qui appartenait à feu votre amant. Et là tu lui donnes le collier avec la dent de dragon. Mais tu sais, ça fait la taille de son torse. C'est un collier de rappeur de la côte ouest, si tu veux, c'est le bling. Ok, on passe au poison là ou quoi? Effectivement. On aurait peut-être pas dû se débarrasser des ados. Et merde, qu'on a laissé en ville. Shit. Après c'est la guérilla urbaine donc. Je savais que j'aurais dû écouter toutes ces pubs sur le sida. This is the way. I can hear the crown. Yes, we must go on. Ok, on est dans la zone avec du poison cette fois-ci, il va falloir qu'on... On va gérer ça. Âme en peine des Badlands et du loot. Il y a des ennemis un peu partout. Ouais, je vois. Une qui vient vers nous, si. D'ailleurs, à grande vitesse. Les âmes en peine, un mort-vivant incorporel pour pas entraîner votre vie et haïssant la lumière. Tu veux pas caster le sortilège de... Ah non, le sortilège de protection des esprits, ça ne fait pas de lumière. Hein. Par contre, il faut le sortilège de la boule géante, ouais. Je peux faire la grosse boule de lumière, si tu veux. Ouais. Le globe de lumière vive. Attends, je vais essayer de le mettre le plus loin possible. Attends une seconde. Déjà, je vais commencer par cast sur Elvira. Arcana, Muto. Lévitation. Voilà, déjà. Tu voles. Je vais juste le mettre de manière centrale, à peu près centré sur l'arbre, tu vois, qui est devant nous. Comme ça, il y aura une zone d'influence suffisamment grande, ou tu veux que je bouge d'abord? Que je la fasse un peu avancer. Écoute, vas-y, mets-la là où tu dis que c'est censé être. On se débrouillera avec. Je vais la faire avancer un petit peu. Et ensuite... Ah oui, attends, je vais faire rééquiper ces trucs aussi. Pareil pour Crystal. Je vais faire rééquiper son arme, on sait jamais qui est du corps à corps. Et... Moi du coup mettre le globe de lumière ici, là comme ça, c'est
c'est centré sur l'arbre. Voilà. Ok. Moi, cette pas forêt est éclairée. Il va falloir aller attaquer ce mec à gauche. Est-ce que tu peux t'occuper de la mampenne des Badlands sur la gauche? Nous, on va s'occuper de tout le reste et fais juste avancer Crystal, sinon elle va... Ouais, j'arrive. Voilà, je pense que je vais prendre l'attaque préemptive d'ailleurs. Sur l'âme en peine des Badlands qui volait au loin. Vas-y, j'avance un petit peu avec elle. Vas-y, vas-y. Voilà. Toi, t'as, c'est pas grave. J'ai tiré. Tu l'as lancé ? Ouais, j'ai tiré, j'ai tiré. Bien, pas de soucis. Pas de soucis. On est à l'initiative et ils sont surpris. Très bien. Bi, 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 bi. Tout a touché. Oui. 20 de dégâts. Je me planque un peu. Vas-y, vas-y, recule. Pas de soucis, je laisse Crystal devant. Ok, à partir de là, finir le tour. Et toutes les âmes en peine sont en pleine lumière. Oui. C'est ta sphère est un succès total. Ok, alors, il y en a une derrière nous, il y en a une devant. Tu voles, et donc va commencer à tabasser celle qui est en l'air, en l'air derrière nous. Avec Elvira? Ouais. Je pense qu'elle peut se taper au cac. Hein. Vous ne pouvez pas atteindre la cible, il est en hauteur. Donc t'as je pourrais pas, même en volant. Même avec Shift, si t'appuies sur Shift, tu vois l'endroit où tu peux voler. Je regarde, attends si je peux. Vous ne pouvez pas atteindre, non. Apparemment, je peux pas la mettre à... Même en montant, en fait. Attends. Je vérifie quand même, parce que je veux pas dire de bêtises. Non, j'ai l'impression que... Non, il me dit vous pouvez pas atteindre la cible, en fait. Même quand je change d'étage avec Shift... Tant pis, bah... Le truc. Du coup, attends, je vais casser déjà la boule. Comme ça, si jamais il s'approche, au moins, on aura quand même le... On aura quand même les gardiens autour de nous. Nickel. Voilà. Je la fais juste avancer un petit peu. C'est pas gênant si je la mets devant ou pas? Non, c'est pas gênant, vas-y. Je la fais juste avancer un tout petit peu. Voilà, comme ça, elle garde... De toute façon, elle ne vous voit pas, donc... Tout le monde. Oui, c'est juste comme ça, vous restez dans la sphère, en fait. Je peux pas la faire trop bouger. Ça touche là ? Allez, on espère. Ça touche, il a pris au moins. Ça touche, ouais. Ouais, 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 il a pris. Ok, là j'ai Crystal. Est-ce que j'ai quelque chose qui est à proximité avec elle ? Faut que je passe en attaque. Distance... Non, là je peux pas. Et celle-ci, est-ce qu'elle est... Je peux essayer de tirer dessus. Je tente. Ça touche et il coule. Magnifique. Joli. Très joli tir. Je vais la décaler ici pour essayer encore de balancer un deuxième tir sur celle qui est juste là. Il t'a vu. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, comme ça j'ai la gros. Ça m'arrange. Je vais la ramener ici. Deuxième tir d'arbalète dans le même tour. Si j'avais été maître du jeu, ça serait pas passé ça. Ok, c'est bon, il s'approche, il marche dedans, parfait. Nickel. Mon piège a fonctionné. Nickel, et il est à poil. Ouais. Ciblé par les esprits, vitesse diminuée de moitié, sensible à la lumière, désavantage dex et sagesse. Bon, bah on l'aligne. Ouais, vas-y. Ah, j'aurais voulu faire un toucher électrique rectal, mais je peux pas. Contact glacial, ça lui empêche de soigner. Lumière, l'objet que vous touchez devient lumineux. Excuse-moi, je regarde juste mes objets. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et enfin, dissipation de la magie, met en surveillance un adversaire visible pendant un moment. Ok, non mais c'est bon, très bien, impeccable. Tout ce que j'avais besoin de savoir à l'ancienne. Arcana, evil, mountain. Go on. Parfait. Super. Il vient, enfin. Nickel, hein. Hop. Échec critique, magnifique. Ok, c'est Elvira. Vas-y, bonk. Le corps à corps, ponk. Tu veux que j'aille au corps à corps? Bah ponk-le. Ou alors va ponker le fantôme qui vole derrière vu qu'il reste un PV à la mampenne. Je suis. Ponk. Ok, c'est bon. Ça c'est fait. Je vais décaler un tout petit peu Elvira, comme ça je vais le mettre dans la zone. Du coup il prendra des dégâts au prochain absolument, tour. Absolument, absolument.
Voilà. Si j'attaque, il faut que je me mette sur le côté de manière à ce que tu puisses attaquer avec ensuite avec Crystal. Voilà, très bien. Ça, moi, elle a la place. Ça touche, okay, attaque sournoise, il a rien vu. Joli. 7 de dégâts en plus, ça rend pour le chatouiller. C'est toujours ça de pris. Alors. Plus qu'à l'agresser, hein. Sors ta poutre. J'y vais. Même pas besoin de le smite, je pense, à l'ancienne. Non, je passe sur les trucs, ça sert à rien. Et je mets un deuxième coup en espérant que ça touche. Peut-être que je peux le finir. Je passe sur le châtiment. Voilà. Une demi-merde qui râle. C'était mon mien. C'était ma victime. C'était un effort de groupe. Exactement. C'est ça. Deux carreaux enflammés, je te les rends. Vas-y. Touk, ça t'a remboursé. Merci. Alors, il y a plein d'objets de partout. Va tout piller avec Elvira. Vol, va et nous venge. Ok. Alors, déjà là, on va bouger les petits cailloux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit truc là. Elvira, tu bouges tes fesses ou pas là? Ok, qu'est-ce qu'on a? Une potion, manuel de fabrication de potion de guérison ultime. Sympa! On a un calice en argent. Un calice? Le calice, ouais. Calice. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a encore ici? Attends, je vais faire avancer quand même Crystal au cas où, parce que je sens venir le truc qu'il y a encore des bestioles un peu plus loin et que tu vois, on va avancer comme ça. Il n'a pas plus rien nous arriver d'offre maintenant. Et là, boum. 8 âmes en peine. J'avoue. J'avoue. Utilise, tu vois ce que je veux dire. Utilise Elvira pour voler jusqu'au pilier qui est devant nous. Ouais, je vais faire ça. Alors, Elvira. Aïe. Waouh! C'est parce que t'as volé au-dessus de la. Ah, c'est parce que t'as volé au-dessus du truc magique. C'est ça qui prévenait quand il disait que tu pouvais pas voler. Oh boy, en fait. Hein. Attends, bah, écoute, je vais me mettre un petit peu de PV. Ouais, je vais désactiver la déconcentration. T'es au-dessus du sol dur? Ouais. Zap. Voilà. Atterri. Ouais, parce que attends, clairement. Je vais me soigner. Voilà, ok. Maintenant, il faut que je vois juste comment est-ce que je peux la faire revenir jusque là. Bon, je pense qu'elle va faire le tour, elle va sauter. Merde! Le combat commence. Où ça? Quoi? Ah, à ton niveau! Il y a une âme en peine en bas! Juste à ton niveau. Ouais, elle est là. Elle est là, l'âme en peine, elle est juste en face. Ah, je savais qu'il en restait encore, saloperie. C'est pas grave, ça va se faire. Ouais, ça m'inquiète pas plus que ça. Bon, j'en profite pour finir la route. Vas-y. Termine, hein. Je peux l'aligner de là, ouais, je peux. Vas-y. À quel degré on l'aligne? Un peu quand même. Comme tu le sens. Allez. Oh là. Ouais, un petit des 15. Des petits. Tu vois, une petite multigifle. Un petit 15 de dégâts, c'est pas grand chose, mais c'est toujours honnête. Comme ça, tu vois, 4-5. Toujours honnête. Bah, c'est honnête. Ok, il monte, parfait. Ah, waouh, waouh! Ok, alors, je vais les ramener ici. Il faut que tu remontes, ouais, voilà. Hop là. Allez, vas-y, grimpe cocotte. On va voir si on arrive à shooter à l'arbalète à cette distance-ci. Hop. Est-ce que il est. Je peux toucher ou pas? Normalement, oui. Non, elle touche évidemment pas. I'll get you yet. C'est pas grave. T'as fait ton taf. Personne t'en veut. Alors, attends. Hop. Je vais essayer avec Crystal. Pareil. Est-ce que je touche? Non. Je vais la faire bouger. Je vais la ramener un petit peu plus près. C'est vrai qu'avec l'arbalète, j'ai un petit peu moins d'allonge. Peut-être que là, ça ira mieux. C'est pas dit, mais bon. Joli! Ok. Très bien. A plus de dégâts que mon Magic Missile. J'avance et je termine. Ok. John. Voilà. Ça poignarde, ça tue. Très bien. Génial. Très bien. Super. Attends, je vais essayer de faire revenir Elvira ici.
Vas-y, fais tes petits jumps là, ton petit tour. Saute tout ça. Non, mais je parle à mon perso là qui est parti faire le tour du truc. Alors, tu peux les amener directement à l'objectif. Ouais, j'arrive tout de suite. Je ramène celle-là. Je rééquipe celle-là avec sa hache et je la ramène là aussi. Voilà. L'autre, c'est génial, elle se balade avec son boubou depuis là tout à l'heure, tu sais. T'as les petites âmes qui flottent autour. J'avoue. Y'a aucun problème. Voilà. Parfait. Quitter les zones. Super. Très bien. Encore une zone bleue ce coup-ci, on a fait du rouge, du vert, du bleu. Ouais, je pense que là c'est la glace peut-être. On va voir. Ah non. Are we walking into some gigantic trap? The Sorax are doing all they can to stop us. Come on, don't falter now. Ok. Ouais, c'est 100% un piège. Hein. On va avancer et boum, ils vont nous tomber dessus comme un traquenard. Hein, parce que je refuse de croire que les 4 élémentaires d'air qui se promènent sont la limite de ce qui peut nous tomber dessus. Ouais. Alors, malheureusement, on ne peut pas voler. Donc allons-y en prudence. Non, il va falloir qu'on jump. Attends, peut-être que je passe devant pour éviter que si tu les aggro, tu sois en première ligne. T'es, je suis encore loin. D'accord. Mais tu peux avoir effectivement une ou deux dalles d'avance. Hein. C'est juste pour être sûr en fait que tu sois en sécurité. Vas-y. Passe toujours peut-être sur la dalle derrière, tu vois. Ok, l'élémentaire il est là, il repart de l'autre côté. Vas-y. Surtout qu'ils ne gêneront pas pour viser Balthazar si jamais. Archibald, c'est pardon, ça. Si jamais. J'avance, pour l'instant on est encore hors de vue. J'attends que tu te mettes sur la dalle derrière. On est bien. J'avance, on va sortir de combat. Ah, j'ai pas eu le temps de tirer, putain. J'aurais voulu avoir l'initiative. Désolé. Non, c'est moi qui ai joué ça en réflexe. Mais j'ai pas pu. C'est pas grave, on a l'initiative quand même, on les baise. Ok, on est sur des élémentaires d'air cette fois-ci. On les baise. Ouais. Alors déjà, petite flèche. Bien placé, beaucoup de dégâts. Très joli. Insensible à quelque chose, mais il a pris. Hein. Insensible au poison, normal. Ensuite, en termes de sortilège. Tu peux faire un éclair qui rebondit sur les deux ou pas? Ah bah non, élémentaire d'air, ça n'a pas d'intérêt. Quoique. Est-ce qu'ils seraient insensibles forcément? Et alors, ils sont insensibles au fou rire. Ils sont insensibles à la graisse. Insensible. Ouais, j'essaie des choses. Il y a éclair, mais le problème c'est que éclair c'est des dégâts de foudre, donc ça marche pas. Et bah écoute, un bon vieux rayon ardent. Je vais affaiblir celui qui est loin déjà. Tout qui touche. Ok. Pour un total de beaucoup. Et puis ce sera tout. Ok, ça va être à eux. On va les laisser se rapprocher. Les deux d'en face sont déjà presque midlife. Ouais, on est bien là, je pense que voilà. Ils ont toujours un petit délai, le temps que l'ennemi réagisse. J'avoue, ils se doutent de rien là. Ouais. On va les laisser passer et ensuite Elvira, je vais essayer de... Voilà. Ok, super. Alors, je remets le boubou. Je pense là, DPS à l'enchaîne, garde tes sorts, on sait jamais. On boursale. Ouais. Allez, on boursale. Le truc c'est qu'en fait ils sont que 4, si jamais on était dans cette situation... La petite tape... Elle a mis une sacrée gifle, ouais. La petite tape à 21, comme 21, ça quand même, je m'y attendais pas. La gifle à 17, non plus. Les échanges sont vifs, vigoureux. Ok. C'est bon, ils ont deux attaques du coup, l'autre il va arriver. Hop, esquive, Delvira. Deuxième attaque. Aïe, elle prend. Ok, faudra que je la soigne peut-être après. Alors, très bien. C'est à toi ma paladine. Smite! Je smite. Alors, on va déjà essayer de terminer celui-là. Est-ce que ça touche? Ça touche. Ça touche avec un smite. Smitten! Smite et ça meurt. Ok, deuxième coup. Ok, smite 33.
Boum. Voilà. Ok. Un petit 36 comme ça, à net, à froid. Ouais. Allez, au plaisir. Merci. Voilà. Bravo. Super, ça en fait déjà deux de moins. Fin du bail. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? La dernière fois qu'on t'avait jeté une potion au visage, je crois que ça t'avait fait des dégâts. Ouais, ouais, t'inquiète pas, je vais prendre une popo après, quand on sera hors combat, pour éviter de cramer tous mes spells. Mais non, regarde. Hop. Utiliser sur autrui. Là, voilà, bois. Merci. Oh, tu es une personne en or, c'est tellement mignon. C'est ma tenue. Oui, je suis comme ça, tu sais, le mec très... C'est ça. Ma tenue fait 18 carats. Tout est dans le style. Ça, j'ai un diplôme magique de sapologie. Avec option swag. J'aurais pu prendre option drip, mais je ne voulais pas refaire une troisième année. Ok, attaque. Opportunité. Well struck. Pour la gifle. Ah ouais, la petite claque là, qui était bienvenue. Ok, alors Elvira, on va taper sec. Hein. Back. Voilà, hop là, le petit coup qui va bien. Bonk. Comme ça. Et maintenant avec Kristen. Dommage. Vas-y, touche. Allez, 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 les cocottes. Me fais pas ça, pas deux fois. Ok, you ça touche. Smite en 3, c'est parti. Super. Ok, tout fini. Y'a pas de raison. Bien. Tu l'as bien achevé là. Il nous en reste un qui va se faire bully, tu vois, il était venu avec ses 4 potes, avec ses 3 potes. Il s'est dit ça va passer crème et en fait non. Technique de foudre. Four. J'ai raté ma poignée électrique. Shit. C'est pas grave. Il va me tabasser. Non, ça va, il me tabasse pas. C'est bon, c'est pour moi. T'inquiète, j'encaisse. Il ne voit pas ce qui est jaune. Il est aveuglé par ta brillance, c'est ça. C'est le mob. Ah mon dieu, nice, cette armure est trop étincelante, je ne vois plus rien. Alors, hop. Esquive. Elle touche le deuxième. Vas-y, touche. Smite. Ok, nickel. Parfait. Yum yum. Belle victoire. Voyons voir. De la poudre, du magnésium et de l'acide à grande quantité. Ça nous servira pour faire des potions. Je vais regarder d'ailleurs. Hein. Soigne-toi avec Cristal du coup. Ouais. T'as des sortilèges quoi. Avec Elvira j'ai des sortilèges, oui. Mais je me demande quand je regarde un petit peu parce que. Ah, repos court pour se régénérer sans dépenser de ressources, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on peut faire ça. Alors attends, prendre un repos court. Merci, merci pour votre aide, hein, messieurs dames. Ouais, mais bien sûr. Le backseat. En plus, on peut claquer des dés de régène. Ouais, j'ai plein de dés de régène là, je peux me faire plaisir. Très bien. Voilà. Ok. Petite récupération arcanique, je peux récupérer un sortilège voilà. Max. Excellent. Good. Ok. Très bien. Fou. J'ai une petite sauvegarde avant qu'on avance parce qu'on est bien là. On ouais. Est plutôt bien. Moi, hein, troisième salle. Je suis full spell. Hein. On les massacre. On a un travail d'équipe qui est assez impeccable. Et heureusement qu'on s'est concentré sur les DPS. Hein. Je vais passer juste en prudence au cas où. Sait-on jamais qu'il y en a qui ont embusqué comme là tout à l'heure. Non, mais écoute, voilà, j'ai des mauvais souvenirs, tu vois. J'ai des PTSD. Je suis confiant. Par contre, tu veux activer la salle. Enfin, tu veux activer la map. Active la map. Active la map. Appuie sur virgule ou M sur ton clavier pour activer la map. Ah ouais. Voilà. Ok. Ça met un peu la max. Dans la bouche du dragon quoi. Mais ça met un peu la max. Mais oui. Le décor est stylé. Mmh. Et là, c'est quoi le pitch? C'est sur une maison, mais à l'horizontale? Ouais, ok. Ah, ok, d'accord. Yeah. On est de nouveau... Ah, c'est Jojo's Bizarre Adventure, hein. Shimoon. Attends.
on se met en prudence. Je vais aller pousser le caillou. C'est Cap Canaveral. Prums, prums. Hop là. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut aller par là? Normalement, oui, on devrait pouvoir grimper. Oh, t'as les deux qui marchent sur les murs en mode Balek. Ah, il y a un coffre à gauche. Où ça? Tu vas envoyer demi-peinte le chercher? Très bien. Il marche sur le mur ou j'envoie Cristal comme tu veux. Je vais faire ça. Ce serait dommage de laisser tout ce beau loot derrière nous. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. On va y voir. Parchemin de réanimation, potion de guérison ultime et potion de force du géant de feu. Trop bien. Potion de force du géant de feu fait passer ta force à 25. Intéressant, je vais la donner à Elvira. Mm-hmm. Ou même à Cristal. Hop, excuse-moi. Voilà. Donc, voilà. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Et on avance. À boire quand un gros combat se profile. Ouais. Histoire d'augmenter encore plus la taille de tes muscles obscurs. Mmh. Et qu'on qualifiera d'excessif. Mais non, y a rien d'excessif là-dedans. Tu aimes bien mauvaise langue, mon ami. Ok, alors, si on descend par là. Il y a encore des petits trucs à pousser. Ah, il y a une caisse cassée en bas. Ouais, avec plein de rochers partout. Mmh. Pas d'ennemis? Non, on ne voit personne. Pour l'instant, non. Ah, il y a des jarres là au-dessus encore. Plein de rochers, comme tu dis. On a la petite caisse ici en bas, peut-être à aller prendre. Est-ce que ça vaut le coup de descendre pour le coup? Attends, je vais y aller. T'as tes composants dedans, on va pas cracher dessus. Alors, potion de force de géant givre, potion de guérison ultime et des carreaux rayonnants x20. Ah, ben intéressant voilà. Ça. Très bien ça. Je vais mettre les carreaux rayonnants sur Cristal parce que je pense qu'il en a plus en plus. Attends, hop, je vais l'équiper juste, ouais, il lui restait un carreau de feu, tu vois. Ouais, genre, t'imagines, je suis en combat et c'est là que je me rends compte que non, c'est ça. Je n'ai plus de quoi tirer. Le jeu est c'est en train un problème. De, le jeu est en train de nous fournir un peu en tout. Ouais, du coup, ça pue un peu. Tu le sens toi aussi. Les flèches rayonnantes. Tu dis cette bonne odeur de boss là qui approche. Surtout que le jeu nous donne des flèches rayonnantes, donc la lumière sera un élément important. Mais c'est une bonne chose. On a et une prêtresse et une paladine si tu veux. À un moment. Hashtag ça devrait bien se passer. Voilà, donc ça a chu. Là, je suis en train de fouiller le poids à l'étage. Vas-y, 20 vas-y. Flèches rayonnantes encore. T'as récupéré celles qui sont en bas, j'imagine. Oui, il manque que le pot qui est en bas avec le caillou qui est tout en bas là. Mm-hmm. On va voir comment on va le gérer celui-là. Est-ce qu'il peut descendre? On va voir. En vrai, attends, annule la prudence, ça sert à rien. Et là, boum, 8 ennemis. Ah. Vas-y, prends tout. Ok, parchemin de mots de guérison pour le groupe et. Potion de guérison ultime. Très bien. Alors, on va monter. Je vais monter avec les persos pour te rejoindre. Pousser ça. Il y a encore un coffre à la fin du truc. Donc, vois. À mon avis, ils sont vraiment en train de nous gaver avec des trucs. Donc, je pense qu'on va arriver sur quelque chose d'un petit peu énervé, quoi. Il y a Archibald qui est encore en bas. Je pense qu'il faudra que tu ailles bouge. Ouais, à ton aise. Hein. Hop. Voilà. Alors, je vais aller pousser ça. Ah là, c'est un processus. Oh, bah, fais tranquille. Pas d'urgence. Je vais récupérer ce coffre à la con. Vas-y, vas-y. Parchemin de soins de groupe et parchemin de... Enfin, potion de guérison ultime, encore. C'est bien qu'on les donne à ceux qui sont pas soigneurs, comme ça, on en aura au cas où. Voilà. Donc là, il n'y a rien de particulier. Très bien. Ok, we're good. Y a plus rien. On a tout. On a tout. Je pense qu'on a tout ramassé. Bah, alors je vais faire une petite sauvegarde. Encore une fois la map. La map très stylée. Je vais regarder ça tout de suite. Ah ouais. C'est la classe. Allons-y, pénétrons à l'intérieur de ce manoir foireux.
Pour la vache. Encore des décors de fous furieux. Putain, le MJ Rush C7 quand même. Le mec a passé 1000 ans à faire ses petites décors en figurines. Aouh! Mais. Oula! Allez, dégâts de chute. Nous avons chu. Nous avons chu. Et encore leurs énigmes à base de pousser des merdes. Voyons voir. Je vois pas de coffre nulle part. Et voler serait toujours aussi dangereux avec leur vent mystique magique de. Ouais, on va y aller. On va y aller. Osef, la discrétion, vas-y bourre. T'es sûr? Ouais. Avançons. Ah, attends, il faut pousser peut-être d'abord celui-là. Artistic note. Not much. Alors, il faut qu'on aille sur celui-ci ou sur l'autre? Je vois rien de particulier, donc on est dans ouais, deux on est sur... Les deux mènent à la bonne route. Ok, là il y a encore un caillou devant avec lequel on peut interagir. Par contre, la pièce sombre là, ça m'intrigue un petit peu. Ok, c'est un escalier. Hein. Ouais, tout à fait. On peut monter et là effectivement, on peut s'attendre à une attaque de quelque chose. Prudence ou pas? Devant l'escalier. Tu veux y aller bourrin. On peut y aller bourrin aussi. Hein. C'est vraiment comme tu veux. On est bien éclairé. Let's go bourrin. Charge. Ok, là je monte. Il y a encore des trucs devant. Pour l'instant, je vois pas d'ennemis. Par contre, je vois pas grand chose en fait. Ouvrez la carte. Ok. Donc, on a encore. La faille ici. Devant nous. Je regarde un petit peu, il reste rien. Non, c'était vraiment pour avoir accès à toutes les zones. Je vois pas de coffre en particulier, je vois pas de monstre. Okay. Non, we good, hein, let's go. Hein. Alors allons, comme on dit. Hein. Hop, sauvegarde, et c'est parti. Fonce, hein. Attends, je sais pas où est-ce que. S'approcher de la faille. Non, ok, c'est bon. On y est. Yeah. This is it! The rift! Is it open again? Hard to say. I see a bunch of Sorax, but not the countless horde they're expecting. And no god. The crown! Hey, il la porte mal! They're doing it. That damn ritual. This is it, friends. This is when we make history or die. Einar, guide us! Mirake, watch over us! Let's neutralize this guy! If we were destined to fail, we would have perished already! J'aime beaucoup cet esprit combatif. C'est très stylé. Pendant que Elvira disait des trucs, Crystal lui donnait les bad eyes les plus... Enfin, la vache, quoi! La tension sexuelle, tout s'explique. Écoute, voilà. Tu veux y aller prudent ou... Prudence! Utilisons nos avantages intelligemment. Alors, j'ai un sortilège, Seigneur Inquisiteur. Non, on s'en fout. Lancer domination personne. Immobiliser monstre et immobiliser personne. Est-ce qu'on a, avec le repos court, est-ce qu'on peut récupérer aussi des points de magie ou pas? Non, hein, c'est non, 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 c'est mort. Moi, je peux, mais okay. C'est déjà fait, c'est déjà claqué. Non, il faut qu'on s'approche discrètement. Okay. Et surtout qu'on prenne position intelligemment. Tu veux que je me positionne où? Alors, du coup... Sur les côtés, il y a des abominations, on sort à 4 des deux côtés. Non, le côté gauche, le flanc gauche est libre. Je vais y aller avec John demi-pinte et avec Archibald. Je me mets à droite alors. À droite, il y a une abomination, te feras gaffe. Non, ouais. Vaut mieux que vous alliez au centre avec vos persos. Nous, on va se mettre sur les côtés. J'attends que tu te positionnes et ensuite j'avance. Comme ça, si jamais je déclenche le combat, au moins t'es déjà à 7. Ça va pour toi? Tu me dis qu'on ça peut avancer. Pour Wham, ça va pour Wham. Ok, je vais pas trop avoir le choix, il va falloir que je
Je suis obligée d'avancer, hein. Ça va fouler, hein. Je te préviens. C'est parti, ça foule maintenant. Ah, trop tard, j'ai pas eu le temps de lancer la boule de feu. Ok, c'est pas grave. Dragon d'or. Ah oui. Okay. Ah, ils sont venus nous aider. Oh, ça va là, tu veux pas un coup de main, non? Merde alors. Ok, 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 c'est comme ça. Très bien. Ok, il reste encore un assassin, ils ont trois coups à chaque fois ces connards en plus. Ok, Fufu, il va venir, à mon avis c'est pour Crystal. Deuxième. Il est en train de se déplacer, je sais pas s'il est à la longe du coup. Ok. Et il y a le dragon d'or aux yeux bleus qui vient derrière nous. Je sais plus qui c'est ce dragon d'or mais il vient aider. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Un souffle. Oula. Un souffle nécrotique, qui vient de nous tirer dessus? Attends, parce que j'ai la caméra là qui est en train de faire n'importe quoi. Ok, c'est bon. Je voulais aller voir le dragon derrière. Ah oui, dragon d'or derrière nous, effectivement. Ok, c'est Archibald. J'ai la caméra qui est partie complètement. Tu sais, je commençais à faire des tours. Elle spin. Hey, hey, hey. Et là, par contre, c'est du génie. Parce que derrière vous, vous avez deux objets, enfin deux places, deux cases qui sont inoccupables. De fait. Oui. Hell yeah! Joli. Spoiler, ne bougez pas par contre. Non, 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 non. Je me planque. Parce que je me suis fait voir. Ok, une action légendaire. You're still in the fight, my friend. Christ. 27. Il fait mal. Ouais, ouais, ça pique. Objet. Domination de personnes. Je suis pas sûr qu'ils soient considérés comme des personnes. Hein, mais... le boss Tsar Sorakat, si. Ouais. Les gros noms. C'est sûr non, que ça marche pas, petits, c'est ouais. Sur un boss. Hein. Sur un boss, je suis pas sûr que. J'suis pas sûr. Ils ont toujours une résiste en général. Tu peux essayer quoi, mais. Immobiliser monstre. Ne serait-ce que pour vous enlever un peu la pression. Ouais. Merci. Il est maintenant paralysé. C'est un succès. Et il m'a pas vu. Parfait. Ok, du coup ça va être justement, je pense, à ce tableau-là. Voilà, il peut pas jouer. Le dragon d'or va entrer en jeu. D'accord. Ok. Il est hostile le dragon ou... On va voir. Pour l'instant je sais pas. Il est hostile. Merde, il est hostile mais avec tout le monde. Genre merde. Alors. Bon bah. Comment dire. Bull cup et bois des potions hein. Passe le tour à boire des potions. Ouais. Alors attends, est-ce que À quoi qu'Elvira peut faire le cercle magique de protection. Ouais. Je vais faire le cercle avec elle. Et toi, il faut. J'utiliserai un parchemin de guérison avec Crystal au prochain tour. Avec Crystal, non, il faut que tu te concentres sur Tsar Sorakat. C'est-à-dire ouais. Parce qu'il est rentré dans le cercle de feu en fait. Ok, bon. Ah ouais, le dragon, moi je me suis dit c'est bon, on a du backup, mais en fait pas du tout, tu vois. Ouais, il est assez indiscriminé, ouais.